Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans la petite fabrique de photographie. Je suis à l'heure, mais ça a été un petit peu difficile. Je me suis précipité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis perturbé. Bienvenue dans la petite fabrique de photographie. Si c'est la première fois que vous venez, ce sont des ateliers qui sont en direct sur la photographie. Je suis tout seul à les produire et aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Mes enfants sont malades. Et je suis tout seul avec eux à la maison. Et ils sont juste à côté. Si vous les entendez en train de crier, c'est parce que... Voilà. Une seconde, j'arrive. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais... Parce que je dois m'occuper de en même temps, j'ai pas réussi à préparer. Je voudrais avoir les commentaires Facebook, je vais vous demander quelques secondes. Je vais couper le micro et je vais essayer de paramétrer pour avoir les commentaires Facebook. Salut Tristan, salut Cyril, salut Arthur. Eh hey, coucou Arthur. Arthur qui était, si je me trompe pas sur le nom de famille, à Lyon il y a quelques semaines. Et donc je dis bonjour à ceux qui sont sur YouTube, parce que j'ai pas encore les commentaires Facebook, je devrais l'avoir d'ici un instant. Juste une petite seconde. J'espère que ça va marcher. Je ne vais pas avoir les commentaires. Si je peux les avoir ici, attendez. Aïe, aïe, la vie n'est pas simple. Alors, attendez. Ici, je vais les avoir sur le téléphone et ce sera marrant. Voilà, je les ai. Ça y est, c'est bon. Je les ai sur mon téléphone. Laurent Delanoë, Nicole et Daniel. Bienvenue. Eh, c'est pas facile tous les jours. Allez, on s'y colle. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Si c'est la première fois que vous venez dans la petite fabrique de photographie, encore une fois, pardon pour cet accueil. Ça m'arrive régulièrement, on va dire, hein, quand je fais une pause. Et puis là, il y a des circonstances un petit peu particulières. La petite fabrique de photographie, c'est un atelier en direct. Je suis Gennaro Bardi. Je suis photographe professionnel depuis 12 ans. J'ai très longtemps travaillé pour des agences de voyage, pour Nouvelles Frontières, pour Photographes du Monde, pour des magazines de voyage, Serendipia. Pour des réseaux d'agences de voyage, pour des hôtels. Ah, j'ai longtemps travaillé dans le voyage et il est probable que d'ici quelques années, on n'ait plus besoin de services d'un photographe comme moi. On rentrera quelque part, sur je ne sais pas quel service, je voudrais tel paysage, de telle destination et ça fera aucune différence. Parce que vous aurez la destination avec le coucher de soleil que vous voulez, avec ce que vous voulez, ou exactement la photo que vous voulez, de l'endroit où vous voulez, sans avoir à envoyer un photographe pour la modique somme
de 2 dollars par mois. Gratuit. C'est donné, c'est cadeau. Et ce sera professionnel, et ce sera... Non. Ce sera pas comme ça, évidemment. Mais c'est en train de bouger, la photographie. À mon avis, c'est vraiment en train de bouger comme autant... Je pense que le métier de photographe a tellement bougé depuis son existence, en réalité. Mais là, on va dire, avec le numérique, les réseaux sociaux, et maintenant l'intelligence artificielle, depuis 15 ans, il y a eu une évolution que... Moi, je suis arrivé avec le numérique, mais... On va parler de plein de choses comme ça, et vous savez quoi? Je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Donc, cette première longue partie de la petite fabrique de photographie, ce sera sur l'intelligence artificielle, où je reçois Gilles Courtina, un journaliste spécialisé qui a longtemps écrit, qui a rencontré tous les experts du sujet. C'est pas un expert scientifique, c'est pas un codeur, mais... Et c'est pas un photographe non plus, mais c'est vraiment, il est expert du sujet, et donc c'est vraiment intéressant d'avoir son regard sur le sujet. Et moi, j'ai appris plein de choses. C'est une interview que j'ai déjà enregistrée, donc que je vais vous diffuser, qui dure, je crois, quasiment une heure. Et c'est pour ça que j'ai commencé à 20h. Alors, on commençait à 20h, la petite fabrique de photographie avant, mais je vous avais dit, la semaine prochaine, on commence à 21h et ça durera une heure. Mais je voudrais quand même faire une deuxième partie que j'ai promise la dernière fois à ceux dont je vais analyser les le compte Instagram ou page Facebook pour l'un d'entre vous, notamment David à La Rochelle. Et donc on fera ça à l'issue de cette interview et ce sera la deuxième partie de cette petite fabrique de photographie, pardon, épisode 19. La prochaine, ça se passera bien, je vous le promets. Vous êtes arrivé en piste et ce sera déjà la 20e. Dis donc. Si, petite actualité avant qu'on commence, demain c'est le premier atelier en direct de ceux qui ont rejoint le programme L'Étincelle, qui est un programme de formation par la pratique, où je vous donne des exercices et où vous faites les exercices si vous voulez. Vous envoyez les photos et j'analyse les photos sur des ateliers en direct. Pas comme celui-là, mais sur Zoom, et on prend le temps d'analyser vos réponses aux exercices. C'est vraiment un programme qui fait progresser très rapidement ceux qui participent, enfin, très rapidement, c'est un programme sur 3 mois, hein, donc ça demande de l'investissement en travail et en temps. C'est tout à fait réalisable si on travaille, il y a plein de gens qui travaillent, mais voilà. Mais c'est surtout, il y a des progrès qui sont très spectaculaires. Et donc, si vous inscrivez là aujourd'hui, L'Étincelle sur le site L'Étincelle, letincelle.vera.news, vous allez sur ce lien, je vais vous le mettre en commentaire. Et vous avez, ça explique tout le programme. Excusez-moi si vous entendez mes enfants. Et donc, ça, c'est la première actu. La deuxième actu, donc si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous commencez là au mois d'avril, puisque demain c'est le premier atelier. En direct, et vous pourrez commencer à envoyer vos photos la semaine prochaine. Tom, s'il te plaît. J'en ai deux en plus. Quoi, c'est pas l'un, c'est l'autre. Ils ont beau être malades, je peux vous garantir qu'ils ont de l'énergie. Deuxième actu, l'atelier à Londres. J'ai un empêchement sur la date que j'avais prévue. Il n'y a qu'une personne qui était inscrite jusqu'à présent. Donc, je suis vraiment dans la période de déplacement des ateliers. L'atelier à Londres, donc cette personne qui est inscrite, je décale la date. Ce sera maintenant les 1er et 2 juillet. Je vais vous partager aussi le lien en commentaire pour ceux qui sont intéressés. Et vous avez toujours l'atelier à Lille qui arrive assez vite, dans quasiment un mois. J'ai pour l'instant qu'une seule personne de confirmée. Et il m'en faudra au moins 4. Pour pouvoir tenir l'atelier. Donc si vous êtes à Lille, et si vous êtes je pense que la date n'était pas bonne. Je pense que j'ai mal choisi mes dates pour Nantes et pour Lille. Et donc je pense que, selon toute vraisemblance, je pense que l'atelier à Lille ne se fera pas, à moins qu'il y ait des gens qui s'inscrivent d'ici là, dans la semaine, on va dire. Donc si vous voulez aller voir sur le site vera.news également ces éléments, si vous êtes intéressé par mes ateliers. Voilà, je ne vous en dis pas plus, assez rapidement.
On passe tout de suite, la petite fabrique de photographie, épisode 19, à l'intelligence artificielle. C'est difficile, j'ai enregistré cette interview il y a une semaine, et j'ai l'impression que tous les jours il y a des nouveautés sur ce sujet. Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai vu du texte to vidéo. Alors ça ne concerne pas directement la photographie, mais c'est vraiment dans les métiers d'image aussi. Maintenant, vous avez des services qui viennent d'arriver là. Alors c'est encore... mais c'est un service, vous rentrez un texte et il vous délivre la vidéo générée par une intelligence artificielle. Alors c'est encore balbutiant, on va dire, c'est pas des qualités de vidéo incroyables, mais c'est comme pour les images, hein. Ça va progresser extrêmement rapidement. Donc là, quand on voit ce que ça, les progrès sur l'image en un an à peine, voilà. Donc cette interview a été enregistrée la semaine dernière avec Gilles Courtina. Et je vous l'envoie tout de suite. Et c'est parti. Intelligence artificielle avec Gilles Courtina. Bonjour, bonjour Gilles et bienvenue dans la petite fabrique de photographie. Bonjour Généraux, merci de me recevoir. Merci beaucoup. Gilles, juste pour te présenter en quelques mots, tu es aujourd'hui journaliste indépendant. Tu travailles essentiellement, pas que, mais essentiellement pour le site àl'œil.info. Je vais inviter tous ceux qui sont en train de regarder cette interview d'aller s'abonner si vous êtes photographe, si vous êtes intéressé par la photographie. Allez vous abonner à la newsletter du site àl'œil.info, àl'œil.info. Vraiment, c'est une newsletter fabuleuse pour les photographes. Allez-y. Et Gilles, tu es également, tu as un parcours dans les métiers de l'image et dans la photographie. Tu as été éditeur photo pour différents organes de presse. Tu as travaillé pour des agences de communication. Tu as été éditeur photo, formateur également au CFPJ pour des journalistes sur les métiers du multimédia. Et tu as développé une expertise sur l'intelligence artificielle et plus spécifiquement sur la génération d'images, le texte ou images. Tu vas nous dire exactement de quoi il en retourne. Merci beaucoup de venir discuter avec moi et de venir échanger sur ces sujets d'actualité d'intelligence artificielle. Alors, ouais, effectivement, je n'ai pas fait une expertise sens extrêmement pointu, surtout pas technologique. Ce qui m'intéresse beaucoup, effectivement, c'est les conséquences de ces technologies par rapport au métier de l'image. Donc, si tu veux, puisqu'on parle de cette technologie texte-image, la première chose à faire, c'est de définir ce que c'est, si tu veux bien. Tout à fait. Moi, ma première question, c'est est-ce que tu peux présenter de manière synthétique, si c'est possible, les bases du fonctionnement de la technologie qu'on appelle texte to image, hein, transformation d'une entrée texte en une image, photographie ou image. Hein, et comment est-ce que cette technologie, aujourd'hui, dans tes études, dans tes interviews, dans ton travail, comment est-ce que tu vois que ça impacte les métiers de la création photographique ou de l'image en général? Alors, première chose, on va dire ce que c'est que la technologie text to image. En fait, c'est relativement simple. C'est à partir d'une interface informatique qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle, le fait de saisir sur un clavier d'ordinateur ou sur un smartphone ou sur une tablette une série de mots qui va générer en quelques secondes une image qui peut avoir un rendu photoréaliste, extrêmement surprenant. Là, à l'écran, par exemple, on a une image qui est intéressante parce que à la fois elle présente le côté réaliste des personnages qui sont assez rigolos, assez sympas, et qui présente aussi un biais et est celui des mains. Alors il se trouve que effectivement les technologies jusqu'à il y a peu quand même, parce que les choses sont beaucoup améliorées sur les dernières versions des solutions. Le texte ou image avait beaucoup de mal avec les mains. Alors, on peut se poser la question pourquoi avoir du mal avec les mains? Parce que la raison est assez simple. C'est la même difficulté que nous quand on dessine des mains. Les mains, c'est ce qui est le plus difficile à dessiner. Donc, la machine, elle est comme nous. De toute façon, elle a du mal. Voilà.
Alors, il y a aussi des difficultés qui sont encore récurrentes concernant le texte. On pourrait dire que le texte image ne sait pas lire, de toute façon, ou au moins ne sait pas écrire. Et puis, quelques petites aberrations. Donc, le text-to-image, c'est ça. On parle aussi de génération d'images à partir d'un texte qu'on va appeler en américain, parce que la base de tout ça est américaine, un prompt. On peut parler aussi d'invite ou de requête. Ah, oui, requête, je n'avais pas pensé. Alors, Merci. j'ai parlé d'intelligence artificielle. Quelques mots à ce propos. Dans la période contemporaine récente, en 1950, paraît un article dans une revue britannique qui pose les bases d'une réflexion sur le fait que la machine puisse penser comme un être humain. L'auteur de ce papier est un mathématicien et cryptologue de génie qui s'appelait Alan Turing, qui est surtout connu pour être celui qui a contribué au décryptage de la machine allemande Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qui a été Donc, crucial sur la bataille d'Angleterre, hein. Ça, absolument, qui est puisque absolument déterminant. Toute cette histoire est racontée d'ailleurs dans un film qui s'appelle, qui est assez bien foutu, qui s'appelle Imitation Game. Donc, Alan Turing pose les bases, comme ça, d'une réflexion qui va infuser dans le milieu assez restreint des mathématiciens de haut niveau, jusqu'en 1956, où il y a un symposium, une conférence scientifique, toujours en Grande-Bretagne, où apparaît pour la première fois le thème de artificial intelligence, intelligence artificielle. Les choses continuent de progresser, mais quand même, il faut attendre qu'il y ait le développement extrêmement important de l'informatique, et surtout au début des années 2000, un développement exponentiel des puissances de calcul, parce que l'intelligence artificielle, pour fonctionner, a besoin d'énormément de puissances et de ressources en calcul. Donc, à partir du début des années 2000, on commence à rentrer dans des applications peut-être concrètes. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a quasiment aucune activité humaine qui soit exempte de l'intervention de l'intelligence artificielle. On en retrouve dans le militaire, on en retrouve dans l'éducation, on en retrouve dans la santé, dans les transports, dans les réseaux sociaux, dans les moteurs de recherche, etc., etc., etc. C'est-à-dire à peu près partout. Et jusqu'à présent, il y avait une activité qui semblait relativement protégée, de cet envahissement. C'était la création artistique, et on peut dire que depuis très peu de temps, c'est-à-dire grosso modo début 2022, cette époque est révolue. On a vu arriver effectivement sur le marché cette technologie text to image, et ce qui me semble important, c'est de rappeler aussi un petit peu d'où ça vient tout ça. Ça vient du début des années 2000, quand des chercheurs commencent à faire des recherches sur la reconnaissance d'images traduites en données et donc en texte. À quoi ça peut servir la reconnaissance d'images automatisées? Bon, il y a déjà la cybersécurité, il y a aussi les transports, notamment on peut penser aux voitures autonomes, afin que le véhicule puisse reconnaître les signes, les panneaux routiers, des choses comme ça, ou éventuellement reconnaître que ce qui passe dans la voiture, c'est un lièvre, ou c'est un individu, ou c'est un envol de feuilles mortes, et que dans ce cas-là, il faut prendre des dispositions qui sont en rapport. C'est aussi utile pour le diagnostic médical. Certaines intelligences artificielles aujourd'hui sont entraînées pour reconnaître et déterminer si l'image d'un mélanome cancéreux, potentiellement cancéreux, est malin ou bénin. Et c'est une aide au diagnostic, puisque un médecin cancérologue va pouvoir soumettre une imagerie médicale à cette intelligence artificielle, et ça va l'aider effectivement à déterminer le degré de gravité de la maladie de l'individu qu'il doit traiter. Donc, pas mal d'utilisations comme ça, et évidemment, à un moment ou à un autre, quelqu'un s'est dit, mais ma foi, si on est capable, à partir d'images, de générer du texte, pourquoi ne pas renverser la proposition et à partir de texte, générer de l'image? Et oui, évidemment. Et donc, en 2015, il y a des chercheurs de l'Université de Toronto au Canada qui vont s'atteler à la tâche et commencer à sortir les premières solutions qui sont assez basiques. Petite parenthèse, à cette époque-là, Google commence à s'intéresser au truc. Ils sortent quelque chose qui s'appelle, je ne sais plus comment, Dream quelque chose, qui donnait des résultats qui étaient assez étranges de l'ordre du psychédélique des années 70. Mais la recherche continue de toute façon.
Et jusqu'à aujourd'hui, on est en 2015, donc il n'y a pas très très longtemps, et on est arrivé aujourd'hui à ce que la porte soit énormément ouverte et qu'il y ait pas mal d'acteurs qui interviennent dans le secteur. Alors, un autre point qui est important pour la suite de notre échange, c'est, OK, la technologie text-to-image, comment ça marche? Comment ça fonctionne? Alors, c'est, entre guillemets, relativement simple, c'est une intelligence artificielle qui va travailler sur deux corpus qu'on lui fournit, un corpus texte et un corpus image. Le but de la manœuvre, c'est un apprentissage de la machine pour qu'elle puisse faire les adéquations justes entre les mots et les images, jusqu'au moment où elle ne se trompe plus du tout. Si je dois faire une analogie, c'est un peu comme nous, on peut faire avec nos très jeunes enfants. On prend des livres sur lesquels il y a une image et un mot. Par exemple, une image de pomme et une pomme, une image de maison et une maison, une image de chien et un chien, etc., etc. Et avec nos enfants, on va Si leur tu me... montrer. Oui, vas-y, je t'écoute. Oui, c'est une forme d'éducation, d'entraînement. On parle d'entraînement d'une intelligence artificielle pour Pardon. qu'elle... Et j'ai même lu ou vu parfois que tu sais, qu'on doit reconnaître des images, en fait, avant d'accéder, pour montrer qu'on est un humain. C'est aussi une manière pour Google ou les autres d'entraîner leur système d'intelligence artificielle sur la reconnaissance d'images. Oui, parce que c'est un robot qui te demande si tu n'es pas un robot, ce qui est toujours Exactement. assez, assez intéressant. Donc, si je finis avec l'analogie, effectivement, avec vos mots, vous montrez l'image d'une pomme et vous lui dites ça, c'est une pomme, le cheval, c'est un cheval, la maison, une maison, etc. Et après, vous reprenez avec l'enfant et vous lui montrez l'image de la pomme et vous lui dites, c'est quoi ça? Si vous répondez, c'est une pomme, vous lui dites, ben, bravo, tu as raison, effectivement, c'est une pomme. Si vous répondez, quand vous montrez la pomme, c'est un cheval, vous lui dites, non, mon chéri ou ma chérie, ce n'est pas un cheval, le cheval, c'est cette image-là. Il vous montre l'image. Et bien, la machine, c'est exactement la même chose. Elle apprend comme ça, avec des vitesses absolument phénoménales aussi. Elle apprend de ses réussites comme elle apprend de ses échecs. Et puis, un petit mot pour terminer concernant les acteurs de cette histoire. Il y en a un qui est très important, dont on a pas mal entendu parler, qui s'appelle OpenAI. Alors, OpenAI, c'est un laboratoire de recherche en intelligence artificielle, fondé il y a quelques années, autour des années 2015 aussi, de toute façon, qui initialement est une association à but non lucratif, qui est devenue depuis une entreprise à profit plafonné. Plafonné à combien? Je ne sais pas, une histoire ne le dit pas. OpenAI, c'est eux qui ont développé deux technologies qui ont fait pas mal de bruit, qui sont la première en text-to-image, c'est DALL-E, qui est une référence au peintre catalan, et un clin d'œil aussi au film de Pixar, Wall-E. Ils ont développé aussi une autre application, là, qui a fait beaucoup de bruit, qui est ChatGPT, qui est un chatbot, c'est-à-dire un robot conversationnel, avec lequel vous pouvez échanger, et c'est une technologie text-to-text. On n'en On a pas parle de mal entendu large parler. language model, hein, des modèles qui sont entraînés avec une grande quantité de données texte. Voilà, ce qui est une référence, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce serait assommant, et tout qui est en référence avec ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond qui manipule des quantités de données absolument gigantesques. L'unité de mesure étant en général le milliard ou million. Donc, OpenAI, c'est deux applications. Il y a aussi dans le jeu Google, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il avait développé en 2015 une application qui s'appelait DeepDream et qui développe au jour d'aujourd'hui deux solutions Imagen et Parti qui, en particularité, ne sont pas ouvertes au grand public. Parce que chez Google, ils se méfient quand même pas mal des dérives. Vous avez aussi dans cette histoire Microsoft. Alors, Microsoft, il faut savoir, au démarrage de OpenAI, est une société qui a mis 1 milliard de dollars dans l'affaire et qui, il y a quelques semaines, a annoncé qu'ils allaient remettre 10 milliards de dollars au pot et a annoncé, sans s'en cacher, le pourquoi de ce financement. C'est assez simple, c'est pour intégrer
les deux technologies, ChatGPT et DALL-E, dans ces futures solutions informatiques, notamment la suite Office qui va s'appeler Microsoft 365 prochainement, et dans d'autres applications qui commercialisent, et également C'est le ChatGPT dans leur retour langue. du c'est le retour du petit comment s'appelle trombone qui te parle. Je me souviens ça dans Windows 95 où t'as le petit trombone qui essayait de donner de Désolé, l'aide. je suis un Mac addict depuis Ah pardon. 1980, 86, quelque chose comme Ah oui, ça. donc Donc tu n'as désolé, pas ouais, connu ce l'univers petit Windows, trombone. c'est les guerriers. Alors, pour terminer sur les grands acteurs ici, on a aussi Meta. Meta, c'est-à-dire c'est Facebook et Instagram. Pourquoi Meta? Parce que Meta, eux, je pense qu'ils sont intéressés pour proposer des solutions de création graphique dans le cadre de leur projet de métavers, très certainement. Et pour Instagram aussi, par la même occasion. Et puis, il y a d'autres acteurs assez importants. Il y a TikTok qui est sur le coup. Les Chinois aussi sont dans le jeu, même s'ils sont plus discrets et que de toute façon, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des informations avec eux. Et leurs technologies sont plus orientées sur des activités de commerce que de génération d'images principalement, mais ils sont quand même sur le coup. J'ai vu des choses, rares choses aussi, sont très identifiées dans la culture chinoise. Mais je le répète, des fois l'information avec la Chine est un peu difficile à obtenir. Et un autre nom qui est important et qu'on voit beaucoup, c'est Midjourney. Midjourney qui est une autre entité. Qui, là, on a à l'écran, effectivement, quelque chose qui a été réalisé avec cette technologie-là. Midjourney, ils ont lancé, il y a 15 jours à peu près, la V5 de leur solution, où là, il y a eu un vrai gap qui a été passé par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les mains et tout. Il y a eu de réels progrès qui ont été faits, parce qu'il faut quand même pas l'oublier, les ingénieurs de Silicon Valley travaillent 24 heures sur 24 là-dessus. Il y a encore des difficultés sur le texte, mais je pense qu'ils y travaillent aussi, ça leur est arrivé. Mais la grosse différence, ça a été surtout que précédemment, les quelques tentatives qui étaient faites par les utilisateurs de représenter des personnages connus étaient moyennement satisfaisantes. Là, on a passé un cap en termes de représentation. Exemple, l'image qu'on a ici du président Macron dans le cadre d'une altercation entre la police, etc. Il y a quand même encore des aberrations, on le voit très bien au niveau des mains qui sont à l'avant de l'image. On le voit aussi un petit peu à l'arrière et tout. Il y a une sorte de képi nazi, deux képis nazis qui émergent, qui sont un peu étranges. Ceci dit, rien que quelqu'un qui manipule assez correctement Photoshop ne puisse résoudre. Et puis, une fois de plus, Et la première c'est à sensation la fois à force de saisissante, quoi. C'est l'usage. vraiment. Pardon? La première sensation est vraiment saisissante, en tout cas, sur les nouvelles Oui, images. non, mais là, on est très très proche d'un gap extrêmement important, puisque pour plusieurs raisons. C'est premièrement, c'est que au fur et à mesure de l'utilisation, la machine s'auto-éduque, hein, elle fait son auto-apprentissage, premièrement. Deuxièmement, il y a les ingénieurs qui travaillent aussi là-dessus, qui travaillent pour résoudre les lignes de code qui fonctionnent pas dans les représentations. Donc, on peut penser en toute logique, et ce, à une vitesse quand même assez rapide, qu'on va arriver d'ici quelque temps à des représentations qui auront toutes les apparences d'une photographie, mais qui n'en seront pas. Parce que ce ne sont pas des photographies, ce sont des images. D'ailleurs, Midjourney a annoncé aussi, quand ils ont lancé la V5, ils ont annoncé en perspective du mois de juin la sortie de la V6. La V6 étant supposée ayant passé un cap supplémentaire. Alors là, à ce stade-là, il y a une question qu'on peut se poser, c'est de se dire... Oui, mais tout ça, c'est bien gentil, mais le fait de rentrer les mots sur un clavier, une suite de mots et tout pour obtenir des images, mais finalement, c'est ce que je fais déjà avec Google Images. Ah, ben non, il y a quand même une grosse différence. La grosse différence, c'est que Google Images ramène des images qui ont déjà été faites, qui ont déjà été produites, en général par des humains. Là, sur la technologie text-to-image, l'image qui est obtenu est en fait une image qui n'a jamais existé avant. Et là, il y a une grosse, grosse différence. Voilà. En gros, excusez-moi d'avoir été un peu long, Non, mais non, mais c'était important de c'est poser. pardon, j'étais en train de revenir sur des photos peut-être plus
Oui, alors, on dirait que Mais tu es un peu corsé quand même. oui, c'est assez facile de voir, et on commence à voir des médias qui utilisent certaines de ces images, et c'est facile également d'imaginer la facilité, l'automatisation que ça va permettre pour les entreprises de créer ces publications sur les réseaux sociaux dont on a besoin de toujours plus, et on a besoin de toujours plus d'images, toujours plus de textes. Si ces images et ces textes marketing génériques peuvent être faits automatiquement par une machine et qu'on n'a plus besoin de passer par les services d'un infographiste ou d'une agence de communication. En tout cas, pour avoir travaillé longtemps dans les agences de communication, le nombre de métiers impactés dans les métiers de l'image, donc dans les médias et dans les métiers de la communication en général, c'est assez vertigineux. C'est-à-dire que, je vais être sincère, moi je pensais que ce seraient les comptables et les avocats qui seraient les premiers visés par ces intelligences artificielles. Mais Surtout pas ce les sont vraiment avocats. des artistes, à tel point qu'on parle d'artistes qui utilisent ces outils. Alors, oui, alors, effectivement, la vraie question qu'on peut se poser à la vision de tout ça, c'est la suivante. C'est si moi j'ai un besoin, ben, on déterminera les besoins aussi de toute façon pour voir quelle est l'étendue effectivement des possibilités d'utilisation. Si moi j'ai un besoin d'image, et que en quelques secondes, avec pour une somme qui frise le ridicule, je peux obtenir exactement ce dont j'ai besoin. À quoi bon m'adresser à un photographe professionnel ou à un illustrateur, graphiste et autres designers et tout, puisque ça va me permettre d'obtenir ce que je veux facilement, enfin relativement facilement. Là, il y a une petite nuance à apporter. Et surtout, ça va me faire faire des économies absolument, absolument démentes. Économie de temps, économie d'argent aussi. Alors, moi, je mettrais quand même un petit bémol par rapport à ça, parce qu'il faut quand même pas croire que c'est quand même la semaine des 4 jeudis immédiatement. Le nerf de la guerre de cette technologie, c'est le prompt. Le prompt, c'est la suite de mots qu'on va rentrer. Oui, il y a une expertise qui se développe sur ces entrées de texte, requêtes ou prompts en anglais, tel qu'on Alors, le voit souvent appelé. à noter un certain nombre de choses. Déjà, il y a un marché qui s'est développé de vente de prompts, premièrement. Deuxièmement, d'après des utilisateurs professionnels, je dirais experts, de la version 5 de Midjourney, eux, ce qu'ils ont remarqué, c'est que, à la différence des versions précédentes, où on pouvait rentrer des mots à la file, comme ça, avec des virgules, etc., etc., là, on obtient de meilleurs résultats si on est capable de faire des phrases qui se tiennent bien. C'est-à-dire qu'on est capable d'un effort d'écriture, d'un effort quasiment littéraire, à tel point d'ailleurs que dans des interviews que j'ai faites de gens qui développent cette technologie, il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'ils avaient testé leur intelligence artificielle auprès d'un certain nombre de gens du domaine de l'image, et il se trouvait que chez eux, enfin dans ce groupe-là, il y avait quelqu'un qui était poète à 16 heures, et il se trouve que ce vieux monsieur qui était vendeur dans un magasin d'équipement photographique, si je me rappelle bien, mais qui n'était pas forcément photographe lui-même, était celui qui avait obtenu les meilleurs résultats sur leur technologie, quand même. Donc, évidemment, ça souligne le fait que, et puis quand on l'essaye soi-même, on se rend bien compte qu'entre peu de mots, des mots mal choisis, etc., etc., et quelque chose qui est sur le plan textuel beaucoup plus costaud, ça va faire toute la différence. Et L'image que tu montres, elle est intéressante parce ouais. que elle va nous amener au problème que ce, à un certain nombre de problèmes que ça génère. Alors, l'entraînement dont je parlais tout à l'heure de la technologie texto-image se faisant donc sur deux corpus, un corpus texte, un corpus image. Le corpus image, il est constitué de quoi? Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ce genre de choses, d'ailleurs de toute façon, qui les vendent aux techs de texto-image. Ces images, elles viennent un peu partout, et en particulier, elles viennent énormément d'Internet. Alors, il se trouve qu'Internet, évidemment, c'est tout et son contraire, il y a de bonnes choses, et il y a des moins bonnes choses.
Aussi le fait Il que y a les une vraie question sur la propriété de l'image initiale, que on ce y soit arrive. une photo ou autre. On y arrive. Donc, le fait que ça soit basé beaucoup sur notre activité sur Internet, la machine, elle apprend à partir de ce qu'on lui donne, hein, de la sorte, et donc elle va restituer un certain nombre de choses qui vont poser trois types de problèmes. Qui vont poser trois types de problèmes. Le premier problème, c'est une restitution biaisée du monde qui nous entoure, avec les stéréotypes sexistes, les stéréotypes raciaux, une sous-représentation d'un certain nombre de certaines populations. On peut penser aux populations africaines ou asiatiques, ou alors une représentation caricaturale des sexes ou des populations que je viens de dire. Prenons deux exemples simples pour vous Oui, donner. j'ai vu, si tu me permets, Gilles, enfin, j'ai vu un exemple, en tout cas, ce problème a été soulevé quand on essaye sur certaines de ces technologies, alors peut-être sur des versions un petit peu plus anciennes, ou si on demande un CEO, un directeur général d'une entreprise, on a systématiquement un homme blanc de 50 ans. Ce qui, quand on dit cette phrase-là, bah, c'est le stéréotype qu'on est susceptible d'avoir soi-même, hein, aussi, parce que c'est la représentation, c'est l'image qu'on peut avoir et qui se retrouve, mais Et qui est d'une aussi certaine qui a un manière, en fondement partie aussi. d'une certaine réalité. Oui, et qui correspond à une certaine réalité. Mais néanmoins, il ne fait que renforcer les Exactement. stéréotypes et cette réalité qui n'est pas forcément extrêmement heureuse. Il y a un autre exemple qui a été beaucoup essayé, c'est le fait de rentrer le mot nurse en anglais, qui veut à la fois dire, il n'y a pas de différenciation des sexes en langue anglaise, infirmier et infirmière. À 90%, vous allez vous retrouver avec des images qui sont des images de femmes plutôt blondes, plutôt enfin blanches principalement, etc., souriantes bien évidemment. Et éventuellement, quand il y a des aberrations, ça va être la représentation d'une femme asiatique, mais dans une tenue assez érotique. Pourquoi? Parce que simplement Internet en regorge aussi de stéréotypes érotiques qui mettent en scène des Asiatiques comme ça, déguisés en infirmières, etc., etc. Donc, si la machine a été alimentée en partie avec ce genre d'image, à un moment ou à un autre, elle peut effectivement Est les susceptible rester. de. Ça, c'est intéressant ce qui est à l'écran aussi, c'est par rapport à qui est-ce que ça peut intéresser ce genre de technologie text-to-image. Ben, ça peut intéresser énormément de monde. Ça peut intéresser la presse, qui a déjà commencé à l'utiliser, ça peut intéresser l'édition, ça peut intéresser l'architecture, ça peut intéresser les réseaux sociaux, ça peut intéresser la publicité. La publicité, moi je sais que dans Évidemment. les agences de publicité, ça frétille énormément par rapport à ça. Là, on a devant les yeux des pubs pour la maison Martini qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux début d'année, fin 2022, début 2023, et tout. Alors que ce n'est pas d'une qualité absolument extrême, ça, mettons ces critères de côté, mais si on prend l'image de droite, traditionnellement, habituellement, pour la réaliser, il aurait fallu louer les services d'un photographe qui lui aurait eu un ou deux assistants, qui aurait loué un studio, Un studio avec le des ma... Hey, éclairages, il aurait c'est fallu toute une production. aller acheter des oranges et puis peut-être trouver des feuilles, il aurait fallu faire des refs, il aurait fallu faire des réunions interminables avec le client, avec des allers-retours parfaitement soporifiques, etc. Il y aurait eu des engueulades, machin, etc. Ça aurait pris des semaines et des semaines pour arriver à la même chose. Là, ça a été fait en tour et ça a coûté que dalle. Ou peut-être, on va dire, un dollar ou deux, simplement. Donc, on peut dire quand même qu'au niveau des publicitaires, la tentation est forte. Elle est forte aussi pour autre chose, pas simplement comme ça, pour une sorte de spoliation des créateurs, mais c'est une formidable machine, cette technologie, à trouver des idées, tout simplement. Pas seulement dans le domaine du faire, mais dans le domaine des images, mais d'une manière générale, ça permet de faire les benchmarks à vitesse grand V, ça Pour un permet de trouver des idées auxquelles on créateur n'aurait de jamais pensé. contenu, pour un créateur de contenu que je crois être aujourd'hui, au-delà de mon métier de photographe, mais aujourd'hui mon activité est essentiellement la création de contenu, sur des vidéos YouTube, sur des articles ou autres, mais aujourd'hui essentiellement sur YouTube.
C'est le gain de temps et ce que ça permet de simplement réfléchir et ouvrir des idées, c'est assez vertigineux. En tout cas, pas forcément sur la technologie texte ou image, mais Oui. c'est vraiment très impressionnant. Il y a une image tout à l'heure que tu as fait passer, qui est une Oui. image qui représente de l'électroménager. Alors, l'idée est assez marrante. C'est un designer qui a eu l'idée de soumettre à l'intelligence artificielle une requête où il demandait de montrer, de produire des images d'électroménager comme telles qu'aurait pu les concevoir Gaudi. Ah oui, C'est plutôt d'accord. rigolo, quand Ah même. ouais, Et c'est il y a aussi étonnant. dans la série, il y a aussi, tout à l'heure, on a vu passer une série de quatre de poussettes sur le thème Ouais. Star Wars qui peuvent correspondre, c'est parfaitement, alors c'est peut-être un petit peu exagéré, mais ça peut parfaitement correspondre à la demande d'un client qui a envie de lancer une gamme de poussettes Star Wars qui dirait au designer, bah, vas-y, fais-moi quelque chose Ouais, ouais. dans ce domaine. Alors, Voilà. mais C'est plutôt réussi, hein, ce je suis film, enfin, pour complètement. les amateurs, Alors, évidemment. il y a une vraie question. Il y a une vraie question d'éthique. Il y a une vraie question de les images originales qui ont servi à entraîner ces intelligences artificielles. Les créateurs des images originales sont pas du tout intégrés dans le procédé. C'est-à-dire que, en tout cas, on peut penser que d'une manière ou d'une autre, même si les images ne sont pas directement utilisées, elles ont quand même servi à générer l'image finale. Donc, il y a des problèmes de propriété. Mais je vais même aller plus loin. À qui appartiennent les images qui sont créées? C'est-à-dire que je suis, moi, créatif ou publicitaire et je vais créer une image sur ces systèmes. Alors, j'imagine que ça dépend des systèmes, mais d'une manière générale, et après, si je modifie l'image qui a été créée, comment est-ce que ça se passe là? Il y a un gros maelstrom sur le droit d'auteur. Alors là, effectivement, on touche du doigt un deuxième des trois gros problèmes que pose cette technologie. Donc, le premier problème, c'est les biais représentatifs à cause des corpus d'entraînement. On n'a pas parlé tout à l'heure, j'en parle rapidement, c'est les utilisations frauduleuses, bien Ouais. évidemment. C'est-à-dire des mises en scène. On a vu Macron là tout à l'heure en manif, c'est des mises en scène comme ça, parfaitement réalistes, de personnages connus, de stars. On peut s'arrêter sur cette image qui est intéressante d'ailleurs. Et tout qu'on peut mettre dans des situations gênantes, dévalorisantes, etc., etc. Et la troisième, c'est celle du droit d'auteur. Je reviens quand même sur cette image qui est intéressante Ouais. pour une raison relativement précise. Quand il y a eu le tremblement de terre en En Turquie. Turquie, les secouristes grecs, alors qu'il y a des tensions quand même entre les pays depuis fort longtemps, sont allés aider les populations turques qui avaient été impactées par le tremblement de terre. Il se trouve que un responsable des secouristes grecs, qui est à la retraite et tout, a voulu faire un hommage à ce geste, à cette initiative, en créant cette image. Il a fait une petite erreur quand même au départ, c'est-à-dire qu'il l'a diffusée sur les réseaux sans préciser comment il l'avait fait, sans préciser qu'il avait utilisé entièrement une technologie text to image. Et il se trouve, moi j'ai quand même vérifié pas mal par rapport à ça, que dans 95% des cas, les gens qui en parlaient, qui l'ont vu, qui en parlaient, n'y avaient vu du feu. C'était pas du tout rendu compte que c'était une image fausse, alors que, enfin, une image inventée tout au moins, alors que, un, elle est déjà un petit peu caricaturale, premièrement, et deuxièmement, quand on regarde les mains là posent un problème. Là aussi, c'était une V4 de Midjourney. Peut-être qu'avec une V5, ça aurait été moins flagrant. Néanmoins, personne ne s'est posé la question, se dire, mais quand même, c'est un petit peu étrange, ce truc, avec les drapeaux, comme ça. Ouais. C'était un petit peu suspicieux, quand même. Fin de la parenthèse. Pour revenir sur les histoires, effectivement, le troisième gros problème, c'est le problème du droit d'auteur, puisque les systèmes ont été alimentés avec des œuvres qui sont des œuvres d'auteurs, ça pose des problèmes, et notamment des problèmes juridiques assez lourds. Autant en France, en Europe, en France en particulier, il y a le droit d'auteur qui protège assez bien les créateurs, autant aux États-Unis, maison mère de toutes ces sociétés, enfin, territoire mère de toutes ces sociétés, on est sous l'égide du copyright.
C'est assez différent, et notamment parce que dans le copyright, il y a une disposition qui s'appelle le fair use, c'est-à-dire l'usage loyal, qui autorise à ce qu'on utilise, n'importe qui utilise les images et les créations de n'importe qui à partir du moment où il n'y a pas une monétisation de cette activité-là. On est aux États-Unis, donc dès qu'il y a des dollars, boum, ça change tout. Et il se trouve quand même que si dans un premier temps les technologies text-to-image étaient proposées gratuitement, les choses ont évolué et maintenant il y a des choses à deux vitesses, il y a des premiers essais gratuits et ensuite si on veut aller plus loin, il faut s'abonner. Les sommes ne sont pas énormes, mais néanmoins il y a monétisation. Et donc tout ça, ça commence à générer des procès. En particulier aux États-Unis, il y a trois illustratrices qui ont fait des procès à différentes sociétés pour usurpation du copyright, du droit d'auteur chez nous. Et il y a aussi la maison Getty Images qui attaque la société Stable AI qui diffuse la technologie Stable Diffusion, le text-to-image, en les accusant de leur avoir pillé entre 12 et 15 millions d'images de leur stock, tout simplement. Alors, petite anecdote, ça va être difficile pour l'avocat de Stable AI de dire le contraire, puisque pendant longtemps, tout au moins, quand on se servait de leur solution, ça générait en retour, au premier niveau, ça générait une image où il y avait encore le stamp de chez Getty. Alors, bon, choper les mains dans les doigts dans le trou de Ah oui, là, confiture, ça va être c'est l'étoile en pot de miel, difficile là. à défendre, mais on peut penser que, de toute façon, comme d'habitude, ça va se régler à coups de millions de dollars, trouveront Mais bien alors, leur entreprise. petit aparté sur Stable Diffusion, je croyais que c'était quelque chose qui était open source, Stable Diffusion. Est-ce que c'est une erreur chez moi? C'est open source. Ouais, Ah, tout à fait. mais il y a quand même une entité commerciale derrière? Il y a une structure derrière qui s'appelle Stable AI, D'accord. Artificial Intelligence, qui porte la solution Stable Diffusion. Voilà, D'accord. en fait. Pour OK. revenir au juridique, on va faire court. C'est le pataquès. Bah C'est oui. le pataquès pour différentes raisons. Premièrement, la technologie est trop récente pour que le juridique il ne vit pas à la même vitesse que la technologie et le temps de réagir. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose aussi, parce que c'est quand même intéressant que les hommes de loi ne prennent pas des décisions un peu à la légère, sous le coup de la panique ou des choses comme ça. Néanmoins, ça va prendre un certain temps avant que des choses se passent. La Commission européenne travaille là-dessus, par exemple. Les Américains, je pense, pas complètement inactifs. Il y a eu récemment le cas du fait que le bureau du copyright a retoqué une bande dessinée qui avait été entièrement faite avec Midjourney sur le thème. Non, c'est la machine qui a fait le boulot et c'est pas l'auteur qui s'en revendique. Alors après, ils ont sorti un discours qui était un discours un petit peu ambigu en disant on accordera le copyright pour celles et ceux qui utilisent cette technologie uniquement si ça nous apparaît qu'il y a une véritable création. Là, la frontière entre création et non-création, il va falloir la déterminer, ça va être compliqué. Après, il y a un autre problème, c'est que juridiquement, le monde n'est pas harmonisé, de toute façon. Donc, à partir du moment où on est dans le secteur du numérique, les territoires au Botswana, je ne sais pas quelle est la quelle, par exemple, ou à n'importe où en Russie aussi, je ne sais pas si la loi française, par exemple, droit d'auteur, s'applique avec beaucoup beaucoup d'efficacité. Donc là, effectivement, c'est un work in progress. La seule chose qui, de mon point de vue, est absolument certaine, c'est que les avocats vont se faire de l'argent. Ça, c'est sûr. Mais ça, Oui, c'est un peu comme mais d'habitude, hein, de toute façon. il y a aussi en plus de ces problèmes qui, j'ai l'impression qu'il en apparaît tous les jours, hein, les problèmes juridiques en tout cas, sont vraiment que cette technologie évolue de manière vertigineuse dans sa rapidité et dans les progrès qu'elle fait. Il y a moins d'un an, l'explosion de Midjourney, de DALL-E, et où c'est rentré dans les informations grand public, on va dire, hein, où ça a commencé à. Et on est déjà à la V5, et tu nous dis que ça va être la V6 de Midjourney d'ici
d'ici quelques mois. C'est vraiment, ça va à une vitesse. J'ai l'impression que chaque nouvelle version, chaque nouvelle technologie, j'ai le sentiment que le législateur et que le système judiciaire ne peut pas être à ce niveau de rapidité. Oui, alors il y a aussi un autre truc qui est un peu difficile, très honnêtement, en se mettant à la place des hommes de loi, c'est de déterminer la frontière qui peut être assez floue et avec une sorte de no man's land d'incompréhension entre le plagiat, la copie, chose comme ça, et l'inspiration. Parce que finalement, quand on réfléchit un peu, comment nous, êtres humains, fonctionnons pour produire des images, c'est parce qu'aussi on a été nourri comme ça d'images et on restitue, on a quelque chose. Donc là, effectivement, la machine restitue aussi. Et donc la frontière entre je plagie ou je crée est des fois difficile à déterminer. Bon courage, messieurs Et les. je dirais là, enfin, en tout cas depuis un an, ceux qui les utilisent sur une couverture de presse ou dans leur publicité, il y a ce côté, j'utilise une technologie innovante et je fais parler de moi parce que je l'utilise. Mais va arriver un moment où ça va devenir tellement naturel, enfin, il me semble, peut-être tu peux le dire. Où va arriver un moment assez rapidement où on ne pourra plus faire la différence. Est-ce qu'il y a des technologies qui commencent à se développer pour permettre de reconnaître quand c'est. Est-ce que c'est vraiment. Est-ce que ça a du sens encore d'essayer de reconnaître une image pour ce qu'elle est, c'est-à-dire générée par une intelligence? Alors oui, il y a des initiatives qui, mais assez rapidement, sont mises en place pour déterminer si une image numérique qui était une image générée par une intelligence artificielle ou produite entre guillemets traditionnellement. Il y a notamment une société qui a sorti il y a quelque temps une technique qui consiste, on va faire très court, hein, consiste à mettre une couche de données sur l'image pour tromper l'intelligence. Ça se passe évidemment au moment de l'apprentissage. Si cette image est inclue dans le corpus d'éducation, d'apprentissage. Voilà. Après, ça reste encore en réflexion. On a entendu parler de métadonnées, mais le problème des métadonnées, c'est que ça s'efface tellement facilement que, bon, ouais, les métadonnées qui soient suffisamment accrochées au fichier pour soit le détruire, soit le pervertir si on veut l'enlever, enfin, ça devient quand même assez compliqué. Mettre un stamp, c'est même pas la peine d'en parler. De toute façon, ça s'enlève en 3 coups de tuyau à un pot. Honnêtement, pour l'instant, on cherche les solutions. Alors, il y a des pistes de réflexion qui sont des pistes qui sont pas inintéressantes. C'est une suggestion, une réponse qu'on m'avait faite lors de l'enquête que j'ai menée sur le sujet. Ben, c'est que les auteurs et les artistes s'emparent de la technologie à leur propre profit, déjà, de toute façon, et surtout pour en déterminer plus précisément quels sont les biais, les soucis inhérents à ces solutions. Après, il y a d'autres initiatives qui ont été prises. Il y en a une, par exemple, qui a été faite par des artistes allemands, qui s'appelle haveibeentrailed.com. Sur lequel on peut rentrer son nom ou le nom d'un auteur. Moi, j'ai essayé avec Duango, j'ai essayé avec Salgado, par exemple, et tout, et ça a donné du résultat. Ça va chercher sur certains corpus, mais peut-être pas tous, d'images, si on retrouve les images de ces auteurs-là. Alors, petite anecdote aussi, j'ai croisé des photographes qui avaient essayé avec eux, avec leurs œuvres et tout, et qui n'ont rien trouvé. Une sorte de blessure d'ego quand même quelque part Ah oui, derrière, parce qu'il sait. c'est bien sorti dans la conversation, de toute Parce que façon. Par contre. y a aussi ce truc, enfin, sur Internet, et je suis le premier concerné par ça, c'est qu'on a tendance aussi à parler et donc potentiellement entraîner des robots, toujours des mêmes photographes ou des mêmes artistes. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a crevé le plafond de la médiatisation, bah, on finit par parler un peu toujours des mêmes. Hein. En tout cas, dans le milieu de la photo, c'est assez. Des photographes artistes, on va dire, c'est assez flagrant.
Enfin, ça, je vais m'appuyer sur cette réflexion aussi pour sur le métier de photographe que tu connais, pas forcément par la pratique, le métier de photographe professionnel, mais en tout cas, tu as travaillé et tu travailles probablement encore beaucoup avec des photographes et tu es en contact avec beaucoup de photographes. Moi, je suis un photographe qui suis arrivé avec le numérique. J'ai le sentiment j'ai déjà le sentiment que le photojournalisme ou la photographie professionnelle a vécu des transformations permanentes avec les différentes technologies depuis toujours, en fait, hein. J'ai l'impression qu'on dit depuis les années 50 ou depuis les années 60, même si j'ai pas connu que le métier est en train de changer et qu'il sera plus jamais comme avant et qu'avant c'était le bon temps. Je parle des photojournalistes plutôt. Mais j'ai le sentiment que ces technologies vont changer le métier de photographe comme la photographie numérique l'a changé. Est-ce que c'est simplement une analogie qui est facile à comprendre ou est-ce que c'est une autre réalité, c'est encore différent? Non, mais je pense que c'est évident de toute façon que ça va créer des bouleversements d'ici à juger leur importance. De toute façon, c'est difficile d'être devin. Moi, je voudrais pas faire comme Baudelaire, effectivement, qui, à l'apparition de la photographie, a hurlé à la mort de l'art, etc., etc. On peut être bon poète, on n'est pas forcément bon prophète, hein, de toute façon. Donc, moi, je me méfie beaucoup, hein, de ce genre de choses, mais c'est absolument certain qu'il va y avoir des bouleversements. Alors, lors d'une conférence que j'avais donnée, on abordait le thème de est-ce que les photographes ont du souci à se faire, qui est-ce qui va perdre son boulot, etc. Quelqu'un m'a fait une réflexion en utilisant un terme en disant oui, certainement, les photographes low cost. Alors, low cost, par là, il entendait effectivement finalement toute une armée numériquement quand même assez importante de photographes qui sont pas le haut du panier, mais qui sont des artisans, qui sont des gens qui ont très raisonnablement, enfin très normalement, essayé de gagner leur vie avec cette activité-là, qui eux risquent d'être impactés parce que ils font pas les grandes campagnes publicitaires que peut faire une Annie Leibovitz ou David LaChapelle, ou etc., qui eux ont des univers déjà quand même costauds, une Ouais, signature et tout ce ça. Et sont donc, des artistes installés, pour l'instant, non pas enfin, tout à fait y a des pour l'instant. centaines de milliers de photographes Voilà. professionnels, plus ou moins commerciaux, qui se marketent pas forcément comme des artistes. Et c'est un métier d'artisan. Je veux dire, il y a ce côté, le Exactement. client, l'image, le truc. Ceux qui font la banque d'images, j'en parle même pas. C'est-à-dire la photo stock. Elle a été nourrie aussi, hein, par des photographes. Je vais revenir sur les banques d'images aussi, parce qu'il y a quand même aussi pas mal à raconter par rapport à ça, parce qu'ils sont directement Ah bah concernés. oui. Effectivement, pour revenir sur ce qu'on venait de dire et tout, les photographes qui vendaient à Yellow Corner, par exemple, eux, ils ont le souci à se faire. Voilà. C'est évident. La Je suis photo que chez tu Yellow prends. Corner. Bon, j'en vends pas beaucoup, moi, mais. Désolé. Non, mais en même temps, on peut penser aussi que ces structures commerciales sont des structures aussi qui sont intéressées par cette possibilité-là. De toute façon, c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus économique, c'est plus ci, plus ça. Une fois de plus, n'oublions pas que dans tous les secteurs, l'argent reste le nerf de la guerre, hein, de toute façon, quoi. Les photographes qui, de mon point de vue, mis à part les grosses pointures, reconnues, les grosses pointures pour lesquelles, effectivement, le fait même de les faire travailler et d'amener leur signature est valorisant par rapport à l'utilisation qui est faite aussi. N'oublions pas. Il y a d'autres secteurs de la photographie qui sont peut-être moins tout de suite, immédiatement concernés. C'est les photographes qui font de l'actualité chaude, mais très chaude, finalement. Parce que là, on a vu passer une photo de manifestante dans les bras d'un CRS. On est dans de l'actualité très contemporaine, hein, qui date d'il y a quelques jours, par rapport aux manifs contre la réforme des retraites. Cette image, elle a été sortie en même temps que pas l'année dernière, mais l'avant-dernière manifestation, à peu près au même moment. Évidemment, c'est un fake complet, ça ne s'est pas passé. Ça se voit d'ailleurs quand on regarde un peu attentivement, enfin un peu attentivement. Quand on regarde l'image, on voit que le casque pose
du CRS pose un vrai souci. J'avais même pas vu j'avais même pas vu le casque. Oui, oui. Et tu sais pourquoi? Pour une raison simple, aussi, il y a quand même ça qu'il faut garder en tête, c'est que les images, on les regarde de manière extrêmement fugace. Ah oui, je sais bien. Donc, les petits faux. Parce que là, on est en train de s'arrêter sur les images. On fait jamais ça. On passe jamais autant de temps sur une image, je sais bien. Ouais. Ça. Et donc, les petits défauts, là, pour l'instant, il y a encore des petits défauts. Mais on s'est dit que demain, des défauts, il y en aura plus. C'est sûr. Simplement. C'est sûr. Et là, ça passera complètement inaperçu. Ouais. Moi, je vois. Moi, je fais une veille quotidienne sur la thématique. En tout cas, excuse-moi, juste du point de vue de l'éthique, là, pour le coup, le photojournalisme, on parle même plus de transformation d'image. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de photographes sur l'événement, quoi. Qu'on arrive à en faire potentiellement une image, quoi. Mais une image qui est totalement inventée, parce qu'il n'y a personne pour dire j'ai fait cette image. Là, pour le coup, c'est vraiment vertigineux parce que c'est. Alors, c'est peut-être pas du côté des professionnels que les soucis seront les plus lourds, mais c'est plutôt du côté des réseaux sociaux, hein, surtout. Alors, des réseaux sociaux, et j'irai plus loin. Il y a en tout cas, depuis quoi, allez, 7 ou 8 ans, un grand mouvement via les réseaux sociaux de médias. Qui sont au service de messages politiques que je ne vais pas qualifier, et enfin, c'est la création de fake news, je veux dire, et qui sont pris pour vérité par une certaine partie de l'audience, ou qui sont parfois dénoncés, ou parfois des vraies infos qui sont dénoncées comme étant des fake news, et tout ça au service de messages ou de carrière politique. Donc, c'est à ça qu'on touche aussi. Oui. Alors, il y a une hypothèse qui traîne, c'est un petit peu par rapport à tout ça, la photographie de news et tout, c'est compliqué à mettre sur pied, compliqué à appliquer aussi, etc. Mais c'est peut-être de labelliser des photographes, des vrais photographes, et dire, voilà, eux, si machin a fait la photo, ils t'engagent à ce que la photo... Ouais. Tu pas une photo trafiquée. Je rigole, mais c'est parce que j'ai une idée qui est photographie d'origine contrôlée, hein, appellation d'origine contrôlée. Non, mais comme un bon vin. Alors, voilà, une sorte de label, une sorte d'AOC de la photographie, en quelque sorte. Sous quelle forme, je ne sais pas. Ouais. Peut-être que c'est une réflexion à suivre, pourquoi pas. On m'a déjà fait la réflexion, certains photographes m'ont fait aussi la réflexion que. Alors là, on n'est plus dans le photojournalisme, mais dans la photographie créative, en quelque sorte. De la même manière que quand il y a eu l'apparition du numérique et surtout le développement de la photographie sur téléphone portable, ça avait fait une séparation assez douloureuse pour certains entre des gens qui étaient les purs artisans, qui ne maîtrisaient que la technique, mais qui n'avaient pas d'histoire à raconter, qui n'avaient pas à bâtir, etc. Et les photographes auteurs, dont on en parlait à une époque, et tout ça, qui eux, par contre, avaient un univers, une signature, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tout, qui faisait vraiment la différence, parce que j'irais même plus loin, qui peuvent mettre ces technologies au service de leur démarche, et en le justifiant très bien, en plus. Absolument. Dans les images que tu as passées, il y a l'image d'un monsieur noir un peu âgé. Oui. C'est une des images d'un photographe que j'aime bien et tout, qui s'appelle, voilà, celle-là, particulièrement réussie, d'un photographe qui s'appelle Jean-Bastien Leclanche, qui a accaparé la technologie, mais pas dans un but de faire une image pour l'image à la place de la méthode habituelle qu'il utilisait, dans le cadre d'un projet créatif plus important, sur lequel je ne peux pas en dire plus, parce qu'il y a un moment. Mais bon, voilà. Mais là, il y a une démarche créative intéressante qui donne un résultat quand même assez stupéfiant, quand même, mine de rien. Je dirais, une démarche neuve, c'est-à-dire de considérer la technologie comme ce qu'elle est aussi, c'est-à-dire un outil. Ouais. Et c'est un outil créatif de la même manière qu'un appareil, un réflexe numérique peut être. Un outil de création, tout simplement, un ordinateur aussi d'une manière générale. Voilà. Je vais en tout cas essayer de rester sur cette note positive. Je sais pas si c'est difficile d'être positif ou négatif, ou de simplement, c'est une technologie qui est en train d'arriver,
qui est même déjà présente, hein, on n'est pas en train d'annoncer quelque chose qui va arriver. Ça va à une vitesse qui est. J'ai l'impression de. Ça y est, hein, j'ai basculé dans un certain âge, on va dire. Mais c'est vrai, mais c'est une réalité. Ça va de plus en plus vite et ça continue à aller de plus en plus vite. Alors, c'est quasiment impossible, hein, de faire de la prospection ou de la prédiction. Et je pense qu'on en a quand même beaucoup parlé. Mais allez, si on devait faire un pari, comment est-ce que tu vois l'évolution? J'allais dire à moyen terme, mais à court terme même, d'ici l'année prochaine. Dans quelle direction ça va et qu'est-ce qui va arriver dont on ne se rend pas compte encore? Ouais, tu me demandes de faire le Baudelaire, hein. J'ai dit que c'était non. Ouais, Hein. c'est ça. Je sais bien. Je sais Non, bien. simplement parce Mais que là, comme c'est je t'en enregistré, voudrais si pas tu si veux, tu on prends la s'attarde, je tangente sur parais cette question. totalement ridicule par rapport à ce que Je j'ai t'en dit. voudrais pas si tu prends la tangente pour cette question. Je voudrais pas qu'il y ait un clip de cette interview qui te soit renvoyé dans un an. Et Les mais seules choses sur lesquelles j'ai une sorte de solidité de réflexion, c'est, la premièrement, c'est que plus que jamais, plus que jamais. Et ça ne se limite pas aux images. Hein. Tu remarqueras d'ailleurs que je n'utilise pas pour ces images le mot photographie, parce que oui, c'est une erreur le que je fais vocabulaire beaucoup ne tient quand trop même pas. et effectivement, ce sont des images. Donc par rapport à ces images, et d'une manière plus large de toute façon, moi quelque chose qui me semble être extrêmement important, c'est de conserver son sens critique. Dans tous les cas de figure. Aussi difficile que ça puisse être, parce que là, tu mets à l'écran effectivement des images de personnages qui n'ont jamais existé. Ça vient d'un site qui s'appelle thispersondoesn'texist.com et tout, mais qui sont quand même des images qui sont absolument bluffantes de Ah, réalisme. c'est ouais, c'est Donc, une incroyable. fois de plus, essayer de garder son sens critique, considérer aussi les environnements de la vision de ces images, voir qu'est-ce qu'il y a autour, essayer de comprendre est-ce que ça sert un intérêt plutôt qu'un autre, etc., etc. Après que la photo d'une tortue au Galapagos pour illustrer un papier qui parle de la protection de la nature et tout, cette photo, enfin, cette image n'a pas été faite par un photographe. Il fallait perturber les tortues, mais a été purement une image de synthèse. Il y a probablement Quelque part, un moi, photographe du ça me dérange National moyennement. Geographic qui va perdre une commande, hein. Alors, justement, c'est le National Geographic, par exemple, ils peuvent être très bien sur une posture, ils le sont d'ailleurs aussi, de dire, nous, on est des intégristes, des orthodoxes, les photographes, on les envoie, les photographes, on le Ouais. garantit. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont une autorité morale, je dirais. Bien sûr. Ils ont une réputation à défendre, aussi. Ils n'ont pas le droit à trop se planter, parce que si un jour ils sortent du fait qu'au milieu de tout ça, sans l'annoncer, effectivement, leur crédibilité va s'effondrer. Exactement de la même manière que quand Google a présenté son chatbot concurrent de ChatGPT, quand ils ont fait la présentation de presse à Paris, ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire une réponse complètement fausse dans le test question-réponse qu'ils ont présenté. La sanction a été immédiate. Dans les 10 qui ont suivi, l'action a perdu 10% de sa valeur, c'est-à-dire 100 Incroyable. millions de dollars. Ben, voilà. Incroyable. Alors, Incroyable. rassure-toi, ils ont dû les Oui. gagner depuis, hein. J'ai Bah, pas trop se faire 10%, de bourreau pour eux. c'est ouais, même 1% pour eux, Alors, c'est beaucoup. une autre chose sur laquelle moi je suis à peu près certain, c'est que la technologie va faire des progrès dans le rendu. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de raison. Une autre chose dont je suis certain, c'est que ça va être l'ouverture à des fake images avec une puissance de feu absolument démentielle. Là, je raccroche au sens critique dont je parlais tout à l'heure. Là, il y a eu une annonce qui a été faite il y a quelque temps, une lettre qui a été sortie par une sorte d'assoce dans laquelle on retrouve Elon Musk. Ce qui moi me fait toujours un peu tiquer quand il y a Elon Musk dans une histoire, qu'il dit qu'il faudra faire un moratoire de 6 mois, parce que là, on ne sait pas du tout où on va. C'est un peu rigolo, parce que quand même, Elon Musk, c'est quelqu'un qui est à la fondation de OpenAI, a mis des Je millions de sais. dollars dans l'affaire. Il se trouve que Microsoft, entre-temps, en a mis 11 milliards de dollars, pas millions, milliards de dollars. Alors, est-ce qu'il s'est un peu dépassé? Est-ce qu'il sent qu'il a perdu là, Alors, etc. sur ce point-là, j'ai aucune connaissance et je ne suis pas du tout dans ces cercles, évidemment.
Mais je m'intéresse au sujet et j'ai lu, j'ai entendu quelqu'un qui commentait et qui disait que Elon Musk avait probablement racheté Twitter, non pas pour s'en faire un joujou médiatique comme il le laisse et il s'amuse à le laisser entendre, mais probablement pour entraîner ses propres robots qu'il compte commercialiser un jour et enfin dont il a déjà montré des prototypes. Oui, très OK. certainement, parce que de toute façon, il y a les choses que l'on voit, c'est les choses qui sont communiquées sur la place publique par Google, par OpenAI, par Midjourney, par etc., etc. Puis il y a les choses un peu moins évidentes. Il y a les choses qu'on entend beaucoup moins parler, par exemple que les Israéliens sont quand même assez costauds dans le domaine. À tel point d'ailleurs que on n'en a pas parlé, mais les banques d'images qui elles ont du souci à se faire, parce que quand même. Plutôt que d'aller acheter une livre de drone à 400 euros, si je peux avoir la même chose, si ce n'est beaucoup mieux, parce que je peux avoir exactement ce que je veux si je maîtrise bien le prompt, pour allez, 5 dollars, 2 dollars, 1 dollar, 3 dollars, etc., ma foi, c'est la mort des banques d'images. Donc eux, ils ont réagi très vite. Les deux grosses banques d'images d'illustration, tout au moins qui sont Getty et Shutterstock, Oui, qui ont ont interdit réagi très les... très vite. D'abord en disant, premièrement, hop, stop, on ferme le robinet, on interdit l'entrée de nouvelles images générées comme ça, et on fait le nettoyage, ce qui voulait dire qu'ils en avaient déjà avant dans leur stock, mais qu'ils n'en avaient pas parlé, déjà. Et puis, dans un deuxième temps, aussi bien Getty que Shutterstock ont rapidement annoncé qu'ils montaient des alliances, Shutterstock avec OpenAI et la technologie ChatGPT et Getty avec une société israélienne qui s'appelle Bria, Bria, et tout, technologies qui vont intégrer dans leur offre. Grosso modo, ça fonctionne de manière simple, c'est on se connecte sur leur site, on fait une recherche, quand on a le résultat, on bascule sur la technologie text-to-image pour continuer de travailler l'image, etc. Shutterstock a annoncé droit d'auteur que ils envisageaient de ristourner les auteurs des photographes qui avaient servi à obtenir l'image de leur stock, qui avaient servi à obtenir l'image finale. Ils étaient restés plus discrets là-dessus, mais à mon avis, ils vont suivre la tendance, ils n'ont pas trop le choix. Il y a aussi, au mois de mai, un congrès de l'Association mondiale des agences d'illustration photo qui se tient, qui aura une journée complète consacrée à la thématique avec des interventions de Adobe, Shutterstock, des lawyers, enfin, des avocats anglo-saxons, etc., etc., qui est la preuve qu'effectivement ça les concerne. Ils parlent beaucoup d'éthique aussi. Je pense a priori m'y rendre de toute façon pour couvrir l'événement, on verra bien. Et puis après, je ne m'avancerai pas trop Bon. sur Bon, une en tout cas, merci prospective beaucoup. hasardeuse, Merci beaucoup, Gilles, mais pour cet pour rester échange, très vigilant par rapport. merci beaucoup, Gilles, pour cet échange, pour toutes ces infos. Mais Moi, je t'en prie, je sais, enfin, je sais, je crois avoir vu cette semaine, puisque les infos vont tellement vite, que la vidéo arrive, et donc là, le deepfake généré par un texte. Donc là, c'est vraiment vertigineux, à tel point que peut-être que la prochaine interview que nous ferons, peut-être Fabrique de Photographie, ce seront les avatars qui seront générés automatiquement et qui s'adapteront sans même avoir besoin d'écran vert et qui se comporteront en vidéo en réagissant exactement en direct à ce que nous disons. Hein, voilà, je ne prends pas trop de risques, ça n'arrivera pas dans 6 mois, mais ça va arriver. ça Merci va beaucoup, arriver, Gilles. j'espère. C'était vraiment passionnant. Généralement. J'aimerais que tu nous détailles chacune des images que j'ai montrées, parce que je sais qu'il y a une histoire derrière chacune d'entre elles. Tu en as parlé de beaucoup et tu as pris le temps de nous expliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'était un échange passionnant. Merci vraiment beaucoup de cet entretien et de tout ça. Pour ceux qui regardent cette interview, je rappelle, Gilles travaille pour le site à l'œil.info, a-l-o-e-i-l.info. Allez tous vous abonner, c'est une newsletter. Vous êtes photographe, ça va vous intéresser. Donc voilà, merci beaucoup, Gilles. Et puis, à une prochaine fois, peut-être, probablement. Merci Gennaro, et à une prochaine fois, peut-être en vrai, Peut-être en aussi, vrai. Oh, à l'occasion. j'espère. Oui. Comme tu le sais, je suis au Brésil et je mets
Mais je ferai ce podcast. J'ai pour projet de m'installer en France avec ma famille et de me réinstaller en France pour ma part, mais que ma femme qui est canadienne. Donc peut-être que nous aurons l'occasion, j'espère d'ici peut-être un an ou deux, à ce que nous puissions faire ce podcast, comme on dit, dans la même pièce, je l'espère. Avec de la vraie vie. Voilà, exactement. Merci, Gennaro. Merci beaucoup, Gilles, et à très bientôt. Ciao. J'ai oublié de mettre le micro aussi. La caméra marche plus, j'avais pas branché le micro. Bon. Je crois que je vais enregistrer. C'est pas de cache, j'ai arrêté de faire du direct. Et c'était passionnant quand même. Cet échange avec Gilles Courtina, vraiment. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. J'étais en train de regarder, de commenter pendant que je diffusais cette vidéo. En la réécoutant, voilà, je trouve ça toujours aussi intéressant. Il y a des petites choses qui ont évolué encore depuis. Une semaine que je l'ai enregistré. Et donc voilà, le sens critique, Philippe Caron sur YouTube. Je trouvais ça bizarre. Et tu es arrivé pendant la diffusion. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a plus de son. Et je le savais, mais ma caméra principale, celle où il y a la belle image, elle tient pas. Plus d'une heure. Déjà, une heure, il fait tellement chaud que je sais qu'elle a du mal à faire une heure ici. Et donc j'ai sur mon setup de prévu de pouvoir basculer sur la webcam au cas où l'image de la caméra principale plante. Voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Si vous êtes arrivé entre-temps, je vais vous repartager quelques liens dont j'ai parlé précédemment. Très rapidement, le programme L'Étincelle. Si vous voulez vous inscrire pour le mois d'avril, le premier atelier en direct, c'est demain. Et donc, si vous ne l'avez jamais fait, allez regarder la page, au moins. Peut-être que ça vous intéressera, peut-être que vous voudrez vous lancer. C'est un programme qui dure sur 3 mois, où j'analyse des photos sur des exercices créatifs. Et c'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie de la petite fabrique de photographie, qui est une version très très longue aujourd'hui, parce que cette interview était longue et que je voulais donner le temps à Gilles de nous expliquer tout ce qu'il nous a dit. On était dans les conditions du direct, hein. Vraiment, j'ai dû couper très peu de choses. Sur le montage final. Donc le programme L'Étincelle, si vous l'avez jamais fait, quelques-uns sur YouTube, il y a vraiment de plus en plus de gens sur YouTube. Merci de, enfin voilà, qui découvrent la chaîne, qui me découvrent, qui me connaissent via YouTube. Et donc le programme L'Étincelle, si vous voulez aller regarder, voir ce que c'est, ça peut peut-être vous intéresser. Je vous ai dit également en introduction que l'atelier à Lille. Si vous voulez vous inscrire, pour l'instant il n'est pas confirmé. Voilà. Mais c'est dans un mois. Ah, oh, ça c'est vachement sympa, dis donc. Dario Fulci, qui a fait un super chat et qui a mis la petite pièce pour payer le café. Eh, ça fait plaisir. Patricia sur Facebook, très intéressant, oui. Et le fait que l'on regarde trop vite les photos sur les réseaux va nous procurer des surprises. Ça c'est certain. Et c'est pas que sur les réseaux, hein. Je vous rappelle qu'une photo qu'on va voir à une expo, en moyenne, on passe 2 secondes 4 devant. Donc, même 5 secondes, hein, ça n'existe pas. Enfin, ça existe, hein, mais sur la moyenne, c'est 2 secondes 4. Vraiment, un grand merci, Dario. Dario, si tu veux que je lise ton portfolio ou ton compte Instagram, là, sur cette deuxième partie, tu passes devant tout le monde en mettant le super chat. Et c'est pas mal quand même. Donc, là, sur YouTube, vous avez la possibilité de payer le café et ça fait plaisir, ça soutient la petite fabrique de photographie, mes activités. Il y en a toujours, hein, en ce moment. Et donc, ça, c'est sur YouTube que vous pouvez faire ça. D'ici à ce que je fasse des lives ou je sais pas quoi exactement encore, j'y ai pas encore réfléchi, uniquement pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. On va voir si c'est quelque chose que je fais à l'avenir. Et donc j'étais en train de dire que l'atelier à Lille, a priori, n'était pas confirmé. Je pense que j'ai pas pris les bonnes dates. C'était une période au mois de mai. Voilà. Donc, mais si vous voulez aller voir sur le site vera.news, peut-être que c'est intéressant, si vous voulez aller voir l'atelier à Lille qui devrait avoir lieu normalement dans 5 ou 6 semaines. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas assez d'inscrits, donc je pense que la date n'était pas la bonne.
Et toujours sur les ateliers, dernière actu, l'atelier à Londres, qui était initialement prévu avant la date à Paris, parce que je joins le déplacement pour faire un atelier à Londres, un atelier à Paris, et ben j'ai inversé, donc je commence par Paris, mais c'est à la même date, et l'atelier à Londres, qui était la semaine précédente, est la semaine suivante, 1er et 2 juillet. Si vous voulez aller à Londres faire cet atelier de photographie, c'est le même atelier hein, que je vais faire à Marseille, à Lyon, que je fais à Londres ou à Paris. Et celui à Paris, il y a maintenant, je crois, quasiment 150 photographes qui ont participé. Et voilà. J'ai reçu les commentaires, ils sont, enfin voilà, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment un atelier. Il n'y a pas grand-chose d'équivalent, en fait. Hein, ça n'existe pas vraiment, ce qu'on y fait. Donc, si vous voulez aller voir l'atelier à Londres, je vous partage la page. Et depuis cette page-là, vous pouvez accéder à Paris, à Lille, si vous préférez. D'accord ? Voilà pour les actus qui me concernent sur les ateliers à venir. On va passer dès maintenant à cette deuxième partie, sans transition, sur lecture de portfolio, lecture de compte Instagram, lecture de page Facebook aujourd'hui. Je crois qu'il est là, j'espère qu'il est là. Sinon, il regardera en replay, je sais que c'est un habitué. Il a tenu, je ne le fais pas habituellement parce que je ne sais pas pourquoi. Bon, parce qu'en fait, on ne me le partage pas ou je le demande pas. David a partagé sa page Facebook, qui est son outil de communication principal. Moi, c'est aussi le réseau social. Parmi les réseaux sociaux, c'est celui qui est le plus actif, historiquement, et encore maintenant. C'est celui qui génère le plus de trafic vers mon site où il y a mes formations ou vers mon blog. Voilà, donc moi j'ai des gens qui me disent oh, il se passe rien sur Facebook, pourquoi oui, mais vous êtes 12 000 sur Facebook, et donc là vous n'êtes pas 12 000 en direct évidemment, hein, mais les stats des replays sont pas aussi bonnes que YouTube qui grandit très très vite en ce moment, mais enfin voilà, il y a vraiment, en tout cas sur le partage de photos, donc, et j'ai un groupe Facebook aussi, La Petite Fabrique de Photographie, où je diffuse ces ateliers en direct qui fonctionnent très très bien aussi, donc. Je maintiens Facebook, et puis voilà, moi c'est comme ça que j'ai grandi, en tout cas. Dario Fulci qui dit « Je viens de le poster, merci. » Ah, alors attends. Eh ben Dario, tu vas passer devant David. Donc on va faire Dario dans un premier temps, parce qu'il a mis un super chat. Et donc ça, c'est la règle. Tu mets un super chat, tu passes devant tout le monde sur la lecture du portfolio. Ben, je le vois pas, Dario Fulci. Ton lien. Attends. J'ai pas rêvé. Non, je le vois pas. Je viens de le poster, c'est mon Insta. Alors, si tu l'as mis... là, moi, j'ai accès au chat du live, Dario. Si tu peux le poster dans le chat. Là, je peux pas regarder sur les commentaires ou quoi. Donc, si tu peux faire ça. Et pendant ce temps, je vais préparer la page Facebook que j'ai vraiment promis. Ça fait longtemps que je voulais le faire. De David, Photographie La Rochelle. Si vous voulez que je lise dans un prochain atelier votre portfolio, votre compte Instagram, ou page Facebook, ou ce que vous voulez, en fait, ça vous donne aussi une petite idée de ce que je suis susceptible de faire dans l'étincelle. Hein. C'est les mêmes méthodes d'analyse, même si là, c'est un petit peu différent. Eh bien, voilà, vous le mettez dans les commentaires, je pourrais aller les récupérer après, ou dans le chat sur YouTube, si vous voulez que je le prenne tout de suite, que je le copie tout de suite. Ou sinon dans les commentaires de ce live sur Facebook. Alors, David, c'est parti. Je mets la page. Donc c'est une page Facebook. Je ne l'ai pas regardée avant. Bon, je l'ai regardée il y a longtemps, donc j'ai une petite idée sur David. Mais quand même, j'essaie d'avoir un œil frais sur... Et je me rends compte que la méthode d'analyse, vous ne l'avez pas. Je l'ai diffusée dans le live, dans La Petite Fabrique de Photographie, le précédent épisode. Donc, je ne vais pas la rediffuser aujourd'hui, je vais partir du principe que vous la connaissez. Il faudrait que je la rende publique, cette vidéo, en fait, sur la chaîne YouTube. Je te l'envoie sur ton Insta en message privé, parce que je l'ai mis sur YouTube. Tu as dû la mettre... Ok. Ok, je vais commencer par David, et puis envoie-le-moi sur Instagram. D'accord ? Dario, on fait comme ça et tu passes juste après David. Tu le vois pas, invitation.
Je ne vois pas dans les invitations sur Insta. Donc Dario, envoie-le-moi d'une manière ou d'une autre, mais si tu l'envoies sur YouTube, dans le chat de YouTube, pas dans les commentaires en dessous de la vidéo, le chat, hein, chat en direct. C'est ça que je regarde moi, pendant le direct. Alors David, alors attends, je vais vous montrer, il faut juste que je. Hop! On passe ici, normalement, vous voyez ma tête. On arrive sur une page Facebook, David Photographie, créateur de souvenirs La Rochelle. Bon, il faut qu'on parle de ce nom de page. Je ne sais pas exactement quel est. En fait, ça me dit plein de trucs. Alors, comment dire ça? On regarde les photos. Je vous montre d'abord les photos un petit peu et après on parle de ce nom de page Facebook. Donc Francopholis La Rochelle, ok. Ce sont des chaises longues d'un événement où il n'y a pas de gens. Puisque ce sont des chaises qu'on montre. Mais on voit que ce sont les Francopholis. Alors, première photo, tes appareils photo. Ta photo de profil, c'est avec un appareil photo. Nouveau show, nouvelle équipe, nouvel album. Oshi repart en tournée. Une photo que tu as faite d'elle, j'imagine que c'est Oshi, pendant les Francopholis, d'accord. Bon, je ne trouve pas que ce soit une photo extraordinaire. Je vais être sincère avec toi, David. J'espère que tu ne me prendras pas ombrage de ça. Je vais m'expliquer pourquoi. Celle d'après, ok. Ok, donc on a de la photo de concert, j'imagine, aux Francopholis. Là, on a des fleurs. Stromae, malade, annule tous ses concerts. Photo de David pendant une interview de Stromae à France Bleu. Ok. On a les Francopholis avant, après, derrière la gare de La Rochelle. Donc la photo du haut, bah pardon, mais là c'est pas possible. Donc, si c'est pour montrer les arbres, ok, je comprends, mais. Ok, je ne comprends pas à quoi sert cette photo. Quelqu'un commente très beau. Alors, bon, oui, c'est, en tout cas, la photo du bas, c'est une photo qui fonctionne. Celle du haut, je vais m'expliquer, mais elle est prise d'une voiture. Je le vois là, ici, hein, on a le truc. La photo est inclinée, il n'y a aucune raison qu'elle soit inclinée. Voilà, les arbres, ils prennent toute la place. Même en montrant les arbres, la photo est en 16/9, peut-être prise sur le téléphone. Je ne sais pas à quoi ça sert. Enfin. En tout cas, je ne trouve pas que ça serve ton image, David, de photographe qui, je pense, en tout cas, se présente comme un photographe professionnel, même si je pense qu'il y a des maladresses dans la manière de te présenter. Avant, après, derrière la gare de La Rochelle, ok, donc ça, c'est le avant, après les travaux. Alors, si le but, c'est de, je comprends, créateur de souvenirs, il y a un problème de cohérence d'image, je trouve. Je vais m'expliquer. Voilà, donc ça c'est la photo de couverture qu'on a vue. Les Francopholies, ça c'est la scène principale prise depuis un siège de spectateur avec Francopholies en gros, mais c'est pas une photo dingue des Francopholies, quoi. Et les photos de concert, alors celle-là est pas mal, je dois dire. Mais c'est la première, les photos de concert que j'ai vues avant, elles sont assez moyennes, on va dire. Celle-là, ok, comment c'est intéressant. Pourquoi en 16/9? Je suis pas sûr de comprendre. Ah, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses, en fait, où moi, ce que je vois, et pardon, David, pour ma franchise, j'espère que tu ne prendras pas ombrage de tout ça, vraiment. Mais je vois quelque chose de quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait faire de la photo, mais qui a du mal à se présenter comme photographe. Ou à se marketer comme photographe. J'aime pas employer le mot se marketer, mais c'est une réalité, quoi. La page Facebook, là, en tout cas, quand elle s'appelle David Photographie, créateur de souvenirs La Rochelle. Donc déjà, moi, je trouve qu'il y a trop d'infos. Et c'est une erreur que j'ai fait, que je fais encore sur ma page Facebook. Mais qui est une erreur de quand j'ai débuté dans la photographie professionnelle, où ben, j'ai voulu mettre Gennaro Bardi parce que j'étais le connu pour autre chose, dans la communication ou comme blogueur avant. Je voulais dire que j'étais photographe. Donc j'avais envie, et j'avais envie de bosser à l'étranger, j'avais envie de voyager, j'avais envie de ne pas forcément bosser qu'en France. Et donc, j'avais mis Gennaro Bardi, alors j'avais mis photographeur, la vanité était à son comble. Hein. Mais c'est vraiment, c'est l'erreur de débutant, quoi.
si tu es photographe, le mets pas dans le titre de ta page. Et je l'ai toujours, moi. J'ai changé photographeur par photographe pour arrêter la confusion, mais je devrais enlever photographe, en fait. Alors après, j'ai eu des fusions de pages, enfin, toute une histoire de ma page Facebook. Mais aujourd'hui, je sais qu'il faudrait que j'enlève photographe du nom de ma page Facebook. Et voilà, j'ai mon URL qui a encore le photographeur, mais il faudrait même que je vire photographe. C'est comme une marque de luxe. Quand Lindt, j'ai longtemps travaillé dans le chocolat, quand Lindt te dit c'est un chocolat de luxe, bah déjà le fait que tu aies besoin de dire que c'est de luxe, moi ça me met le doute. Ça veut dire qu'en fait ça ne l'est pas du tout. Ça montre que tu as vraiment envie de l'être. Et donc c'est ça, David photographie, c'est dit j'ai envie d'être photographe. C'est ça moi, en tout cas moi c'est comme ça que je le reçois. Créateur de souvenirs La Rochelle. Moi, ce que je reçois, c'est photographe de carte postale. Et alors, attention, je dis carte postale sciemment. C'est-à-dire que moi, je pense... Enfin, moi, je... Faut que j'arrête de dire moi-je. C'est quoi ce travail? J'ai une immense considération pour les cartes postales. L'image de la carte postale n'est pas bonne du tout. Donc, je pense que ce n'est pas bon de s'approprier un nom de page qui fait penser à ça. Moi, ça me fait penser à... Mais attention, les cartes postales, regardez les cartes postales. Je parle des vraies cartes postales avec des photos. Hein. Ce sont des photos excellentes. Même quand il y a des mosaïques, ou même... et c'est souvent du drone hein, maintenant, mais parce que c'est le lieu qui est montré, mais si c'est pas... Mais quelques... Mais ce sont des photos qui sont parfaites à tous les égards. Et je vais même vous donner un truc de photographe de voyage. Moi, quand j'arrive sur une destination que je ne connais pas et où j'ai peu de temps pour bosser, ça m'est arrivé en Espagne, ça m'est arrivé à plein d'endroits, en fait. Enfin, plein d'endroits. Je n'ai pas souvent utilisé la technique, mais ça m'est arrivé en Inde. Alors, pas toujours, parce que j'avais un programme qui était balisé quand j'étais avec Nouvelle Frontière, quand je suis avec Photographe du Monde aussi, mais j'ai eu une dizaine de jours où j'étais tout seul. Et donc là, je suis arrivé à un endroit, sur un festival, je connais pas assez l'endroit, j'avais pas assez fait mes recherches, voilà. J'ai travaillé différemment après, mais c'est une super technique. Vous allez dans la moindre librairie vendeur de cartes postales, vous regardez toute la collection, et si vous parlez pas la langue, vous achetez les 5 lieux qui vous intéressent, vous montrez ça à un taxi, vous lui dites je vais aller là, et vous essayez d'en faire une meilleure photo, et bien je peux vous garantir que ça marche, enfin que ça marche, en tout cas ça vous fait, mais parce que le niveau carte postale est excellent. Mais regardez les cartes postales. Voilà. Donc il y a un côté cliché, bateau, dans le sens où c'est les lieux les plus connus et où c'est les... Pardon, j'ai mon téléphone, je ne sais pas pourquoi je regarde, je suis en direct, là. On se calme. Bref. Vous voyez ce truc? Donc, voilà. Et donc, j'ai reçu un niveau... Moi, je vous parle de... Est-ce que les photos sont publiables dans un magazine? D'accord? Là, il y a les photos de David. Pardon, mais... Donc là, techniquement, oui, elle est publiable dans un magazine. Il y a des magazines, mais les Inrock, ça passe pas, quoi. C'est-à-dire que là, main sur les hanches, en train de parler et faire un grand sourire, bah, c'est-à-dire que aussi, je préfère la voir en train de chanter dans une posture géniale, quoi. En tout cas, dans les Inrock, c'est ça que je verrais, d'accord. Et puis, bah, j'aurais pas les pieds coupés, hein, et même dans la presse locale, quoi. Donc ça, bon, voilà. La photo, elle passe. Mais il y en a l'autre, ça, est-ce que c'est publiable dans un magazine? Bon, oui, techniquement, mais pour dire quoi? Est-ce que c'est une carte? Je veux dire, entre la photo publiée dans un magazine et la photo publiée dans une expo, on pourrait mettre carte postale, d'accord? Qui va être au-dessus en termes d'exigence de qualité, mais en termes d'exigence artistique, on va dire, en termes de sens, ça ne va pas être sur les mêmes sens. Le message d'une carte postale, c'est « je suis là hein, ». Et j'utilise de montrer le lieu pour dire à ceux à qui... Je veux dire, je pense à vous, bah, je suis là. Et donc, je pense à vous pendant que je suis là. C'est ça le message d'une carte postale. Enfin, il y a aussi le truc qu'on écrit derrière, mais vous voyez ce que je veux dire. Soyons un peu sincères, c'est assez nul, je suis navré de le dire. Alors, bah, j'aurais pas employé ces mots-là, Christian. Non. En fait, non. C'est pas... Enfin, c'est pas nul. C'est quelqu'un... On ne se rend pas compte à quel point... Pardon, je suis désolé David, ça tombe sur toi. Hein. Mais on ne se rend pas compte du niveau qu'on a en photographie. Et donc ça, Christian, dire que c'est nul pour toi, tu vois ce que je veux dire. C'est un... Voilà, il y a beaucoup de progrès à faire.
Et le premier truc, c'est sur la qualité intrinsèque des photos. Les photos de concert, là, comme ça, ah, c'est très premier niveau de la photo de concert, quoi. La photo de concert, ça se fait en bord de scène, sur les trois chansons, quand on a une accréditation déjà. Bah déjà, ça permet de faire des photos incroyables par rapport à, je suis dans la scène, dans le public, et je me lève pour faire une photo. Ou là, bah oui, tu peux pas bosser. Donc voilà, tout ce qu'on voit sur la page de David me dit, voilà, et là, donc, deux choses que je juge je vais vous le faire rapidement, mais qualité intrinsèque des photos, hein, je vous ai parlé de cette question qu'on peut se poser, est-ce que la photo est publiée par un magazine? Oui, non. Et après, on pourrait avoir un niveau d'après qui serait carte postale, mais bon, je pense qu'il ne faudrait pas mettre ça dans le titre de la page. Hein, que j'étais un créateur de souvenirs. Ça veut rien, enfin, ça veut tout dire et rien dire. Tu fais de la photographie, t'es créateur de souvenirs pour qui? Voilà, donc c'est compliqué. Enfin, voilà, je pense il y a la manière de te présenter, David, je pense qu'il faut la transformer. Ça te dessert vraiment. Et donc, qualité intrinsèque des photos, le deuxième truc qu'on juge, c'est la cohérence. Là, ça part dans tous les sens. On a un truc d'urbanisme, des photos des Francofolies comme spectateurs. Là, le port, mais bon, c'est une photo du port qui présente peu d'intérêt, on peut le dire, et qui est penchée. Donc là, sur la qualité intrinsèque des photos, ça ne va pas. Sur la cohérence, ça ne va pas. Sur la manière de présenter, ça ne va pas. Voilà, il y a plein de choses. Donc, pourquoi sur YouTube, cela ne fonctionne pas? Ah, mince, Dario, peut-être que j'ai. Est-ce que tu l'as envoyé sur. Je vais revenir, attendez ici. Dario, est-ce que tu l'as envoyé sur Instagram? Si tu as envoyé sur Instagram, je vais taper l'adresse et ça va y aller, hein. Invitation. Lias Foggia, l'univers dans la paume de la main. Dario Fulci, ça y est, je l'ai. L'univers dans la paume de la main. Un amateur de... Un amateur de... The power of the sun in the palm of my hand. De Spider-Man 2, de Doc Ock. Probablement. Voilà, donc c'est bon, je l'ai, hein, ton compte. Je vais le taper. Je suis désolé, David, hein, j'espère que tu ne prendras pas en moi ce que je t'ai dit. J'étais... Enfin, voilà, je suis très sincère. Franchement, David, je dis ça en toute amitié. Je pense vraiment, et ceux qui font l'étincelle pourront te le dire, ceux qui sont là en commentaire, ça pourrait vraiment t'aider. Enfin, en tout cas, fais-toi accompagner pour, si c'est pas par moi, je veux dire, par qui tu veux, mais ouais, t'as des progrès à faire. Tout cas, si. Le nom de ta page et les photos que tu publies laissent penser que tu aurais envie de faire de la photo une profession, ou au moins une activité. Et ce que tu montres n'est pas au niveau de cet espoir ou intention. Tout à fait d'accord, Christian. Christian, sur YouTube, qui dit tout à fait d'accord, Gennaro, mes sentiments bizarres, j'apprécie beaucoup ton art d'apporter un plus au plus modeste. Je suis en colère contre moi-même, mais ça boue en moi. Non, mais c'est pas grave, mais enfin, voilà, c'est pas la peine de. Chacun est à son niveau de progression, et moi le premier, j'ai des progrès à faire. On a tous des progrès à faire, c'est pour ça qu'on. Enfin, j'espère, c'est pour ça qu'on est là, quoi. C'est pour en parler. Voilà. Alors, Instagram, Dario, c'est parti. Slash, alors, comment on s'appelle? Dario underscore Fulci. Ah, attends, j'ai mal écrit mon truc. J'ai mis, il y a une lettre qui se balade. Ça va, je suis encore là. Si mes souvenirs sont bons, cela vient d'un poème de Blake. D'accord. Et donc tu as l'univers dans la paume de la main, bien sûr. Ce n'est pas exactement William Blake. Poème de William Blake. Eh bien, je te remercie, Dario, parce que Dario, dont je vais vous montrer le compte Instagram, m'a partagé ce nom de compte Instagram avec un autre compte Instagram qu'il a. Cet Instagram s'appelle l'univers dans la paume de la main, qui moi m'a fait penser, parce que je suis un gros geek, un gros nerd,
Ah, Spider-Man 2, dont enfin, un des films de super-héros que j'ai le plus regardé au monde. Alors, Dario. Alors, attendez, il faut que je... Parce que je suis sur la webcam. Je vous montre le compte Instagram de Dario Fulci que je réagis en direct. Je ne l'ai jamais vu, hein, évidemment. Alors, on a une très belle tête en selfie sur le compte... sur le comment s'appelle, la vignette, la photo de profil. La photo de profil, enfin, voilà. La photo n'est pas top, top, je trouve. Il n'y a pas de nom, il n'y a que le nom de ton compte, donc ton handle en anglais, je ne sais pas comment on dit, ton nom d'utilisateur en français, Dario underscore Fulci, mais tu peux... Vous pouvez mettre plein d'autres choses sur... Et pour moi, c'est... Enfin, en tout cas, quand je regarde, quand j'arrive sur le grand compte Instagram, ce qu'il y a dans la bio, ce qui est dit et les éventuels liens qui sont mis me donnent une idée de quel type de photographe, à qui est-ce que je m'adresse, à qui j'ai affaire. Bon, là, j'ai aucune info à part donc cet autre compte, mais qui n'est pas en lien, qui est juste un. Alors, on ne sait même pas que c'est un autre compte Instagram. Moi, je le sais parce qu'il vient de l'utiliser pour me partager son compte. Bref. Donc, Dario, voilà. À mon avis, disons un peu plus sur ta bio et mets un petit lien vers quelque chose ou je sais pas, mais là, bah, ça donne, on ne sait pas trop qui c'est, donc c'est bien de savoir des choses simples, hein, juste qui tu es comme photographe ou à quoi te sert ce compte ou ce que tu veux, mais au moins. Voilà. Ensuite, parlons des photos. Alors, donc on a du noir et blanc essentiellement. Ah, on a une petite couleur. Alors là, sur mobile. 99% du temps sur Instagram, c'est sur mobile. Là, je vous partage sur l'ordi, mais c'est vraiment rare. Hein. Moi, quand je découvre quelqu'un... Donc, quand on arrive sur le compte, la première mosaïque qu'on voit, en tout cas moi sur mon téléphone, c'est vraiment les 9 photos. Donc, c'est vraiment votre carte d'identité de photographe. Si moi, ça ne m'intéresse pas sur les 9 premières, c'est hyper rare que je scrolle. Hein. Donc là, parlons des 9 premières. Donc là, il y a cette photo en couleur. C'est un peu étrange. Là, celle-là, pourquoi j'ai l'impression qu'elle est en couleur aussi un petit peu? Une sorte de bleuté un petit peu. OK. Et cette photo à 65 semaines. Bon, donc c'est pas quelqu'un qui partage beaucoup. Là, OK. Bon, c'est pas mal. Ça, alors ça pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, de quoi est cette photo? Deux lignes parallèles se rejoignent à l'infini. Ouais, c'est le principe de la ligne de fuite en fait. Pardon Dario, je suis désolé. Mais voilà, hein, donc, méthode pour analyser vos photos. En tout cas, comment est-ce que je procède moi sur ce, hein? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe sur la photo? Donc, c'est un élément d'architecture, un couloir ou dans un, je sais pas quoi, c'est une école ou un préau. Je sais pas, j'ai pas de légende qui permet de le savoir. Et voilà, et donc, une photo en carré. Là, en plus, si tu utilises la ligne de fuite, fais une symétrie, mets ta ligne de fuite plein centre de ton carré. Ça va te créer des lignes de force sur les quatre coins, et ça va être un truc, à minima, sur cette manière de composer et ce sujet, ça va donner un peu plus de peps à ta photo. C'est plus la même photo, mais en tout cas, voilà. Sinon, bah, j'ai pas de scène. Donc, si l'élément architectural, là, c'est de l'architecture, enfin, en tout cas, j'ai aucune scène, j'ai pas de personnage. La seule raison que je pourrais avoir de rester sur cette photo, c'est si l'élément architectural est étonnant, ou intéressant, ou abstrait, il se passe quelque chose. Là, c'est un couloir, ou un truc extérieur, je sais pas quoi, avec des bancs, et qui sont vides, et voilà, il n'y a pas de scène. Et ta légende, c'est deux lignes parallèles se joignent à l'infini. Alors, elles sont parallèles, dans la photo, elles ne sont pas parallèles, hein, c'est le principe. Et ouais, donc Dario qui dit sur YouTube, c'est un peu bateau. Bah ouais. Donc celle-là, c'est pas mal. On peut sentir une petite intention, quoi. Ouais, il n'y a pas de légende, mais on a une demi-lune et. Alors moi, je trouve les deux sujets sont un peu éloignés. Et je ne comprends pas pourquoi le format carré. Bon, à la limite, on peut avoir que les formats carrés et pourquoi pas. On est sur Instagram, hein, mais voilà, les formats, si c'est pas justifié, hein, c'est comme les 16 neuvièmes, le format fait partie du... je vais aller voir la couleur, histoire de voir si ça méritait. Bon.
Qu'est-ce qu'on a à l'autre après? Alors là, donc là, carré, là, il n'y a aucune raison d'avoir une photo carrée, parce que là, la conséquence de la photo carrée, là, c'est que ça a donc 80% de la photo qui est totalement sous-exposée, sombre. Donc ta photo, elle est là, à la limite. Bon. Tu mets ton soleil, et donc tu es sur un coucher de soleil. De quoi s'agit-il? C'est une photo d'un coucher de soleil en contre-jour. C'est pas le coucher, techniquement, hein, parce qu'il va passer derrière les arbres, donc il est encore très lumineux. Donc, on n'a pas cette lumière chaude hein, du coucher de soleil, où on verrait plus de choses en bas. Voilà, bon, mais j'ai pas de scène, quoi. Enfin, à part le soleil plein centre. Voilà. Là, l'endroit où tu es, bon, enfin, voilà, je sais pas pourquoi je regarde cette photo, quoi. Hein, donc c'est de quoi s'agit-il? Et si la réponse, entre guillemets, si la réponse à la question que se passe-t-il ou de quoi s'agit-il présente peu d'intérêt, parce que la réponse à cette question, bah, c'est le sujet de votre photo. On juge toujours la forme, ce que vous montrez, par rapport au sens, donc au sujet. La question de quoi s'agit-il, que se passe-t-il, doit faire le lien entre les deux. D'accord? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une fleur. Donc là, en termes de macro, bon, je ne sais pas si ça... Voilà. Cohérence par rapport au reste, hein, qualité intrinsèque des photos. Est-ce que la photo est publiée dans un magazine? Oui, absolument. Est-ce que j'ai envie de rester sur cette photo? Bah, c'est-à-dire que là, je pense que... Enfin, après, je ne suis pas un grand expert de la photo de fleur. C'est du low-key, ça, on peut dire. Avec le fond noir, comme ça, c'est très sombre. En macro, mais bon, je suis pas stupéfait, enfin époustouflé par l'exécution de la photo de cette fleur. Ici alors là, donc de quoi s'agit-il? Donc là, il y a une tentative sur le format carré d'avoir une symétrie, vous voyez. Une symétrie qui serait interrompue par ce personnage. Donc qu'est-ce qui se passe sur la photo? Pas grand-chose. Elle est le personnage principal, en tout cas le seul personnage de cette photo. Un peu loin, mais c'est quand même... Quand il y a un personnage, on va regarder ce qu'elle fait, ce qu'il ou elle fait. Ses yeux, ses mains, là, donc elle est en position d'attente, en train d'attendre son mari, ou je sais pas qui, pendant une visite. Pourquoi je me dis que c'est une visite? Bah parce que ça... Donc j'ai pas d'élément de savoir où c'est. Cœur brisé? Non. Ah non, c'est pas cœur brisé, là. Claude Chuzel? Ah non, c'est un commentaire d'un spectateur. Mais, là, sur ce format... carré, avec cette grande barre plein centre qui n'est pas complètement droite, là, il faut aller à bloc sur la symétrie, là, pour casser la symétrie avec ce personnage. Bon, la scène, moi, je ne la trouve pas hyper, hyper engageante. Mais à minima, l'exercice, là, c'était de mettre là, le grand poteau au milieu pour avoir une photo sans personnage, la moitié de la photo sans personnage, vous dire, avec personnage, à la limite, quoi. Ça ne rendrait pas la photo, la scène hyper intéressante, mais bon, pourquoi pas, à la limite. Là, alors, là, ça m'intéresse plus. Bon, c'est un peu, beaucoup, le cul du cheval, cette photo. Hein, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a cette scène, quand même, personnage, on va le voir, on n'a pas ses yeux, mais on a ses mains. Donc là, c'est un maréchal Ferrand qui est en train de faire je ne sais pas quoi, et il y a ce choix de l'instant, quoi, avec cette fumée qui arrive. Là, j'ai une scène. Là, il se passe un truc. Dans la nature d'une photographie, vous avez... quatre outils pour dont vous vous servez au plan représentatif pour faire créer une image, d'accord? Les effets de planéité, le cadrage, qu'est-ce que je mets dans le cadre, qu'est-ce que je mets pas dans le cadre, le focus, la hiérarchie et l'instant. Qu'est-ce qui se passe dans la photo? Là, le choix de l'instant est bien meilleur. Le cadrage, on peut en parler. Moi, je pense que ce cadrage, parce que le sujet, c'est lui et sa fumée, t'as pas besoin de la moitié de la photo prise par le cul du cheval. Donc, une fois que t'as dit que ton sujet, c'est l'instant que t'as choisi, et c'est lui, ton personnage, là, bah, là, en vertical, et où tu coupes, t'as pas besoin de la queue du cheval, c'est comme ça qu'on dit. Le cucu du cheval, on n'a pas besoin. Voilà, tu peux couper là, faire une belle verticale, c'est la même photo, ce que tu concentres en centrant ton sujet principal.
la réponse à cette question, que se passe-t-il ? Ça vous dit quel est le sujet et vous devez ensuite utiliser leur cadrage, le développement, votre manière d'attirer l'attention sur votre sujet au développement pour accentuer ça. Et donc là, l'instant est excellent, le cadrage, hein, sur le plan représentatif, je pense, n'est pas adéquat. Je pense qu'il serait meilleur sur cet instant, en vertical, ici. Après, tu as une version horizontale, ou... non, je pense en vertical, là, vraiment, ce serait bien. Alors après, tu pars peut-être d'une photo horizontale pour créer ce carré, et auquel cas, il y a peut-être un cadrage différent sur la photo d'origine que je n'ai pas. Voilà, donc, qualité intrinsèque des photos, là, on a fait les 6 premières. Donc là, 7, 8, 9, bon, bah, je vais le dire tout de suite. Hein, bon, c'est pas ça, en vrai. Et donc, voilà. Qualité intrinsèque des photos, bah, y a pas mal de choses à améliorer, je pense. Cohérence, bah, on n'y est pas non plus. Donc, voilà. Là, moi, je me dis, photographe, amateur, qui a un peu d'expérience, mais qui je serais curieux de voir si... Je doute, Dario. Je doute, Dario, que tu... Alors, à toi de me dire, peut-être que je me trompe. Mais je sais pas si tu fais plus de 10 000 déclenchements à l'année. Et si c'est le cas, c'est pas depuis longtemps. À quel moment on est passé de l'interview sur l'IA à l'analyse de compte Insta? Je me suis absenté un moment. Bah, ça fait un moment déjà. Ça fait un moment déjà. Nicolas. Un peu pâle, non, sur YouTube. Un peu grisouille, mais il y a de l'idée. Tout dépend des 9 premières, alors c'est cruel. Nicolas, toujours, sur YouTube. Bah oui, tout dépend des 9 premières. T'as pas de deuxième chance de faire une bonne première impression. Si t'as une... Donc, bah ouais, faut partager ton meilleur travail. Que des bonnes photos. All killers, no fillers, si tu veux donner une bonne première impression. Après, tu as des grands photographes qui partagent du quotidien sur leur post Instagram, mais ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont déjà une renommée. Donc leurs photos sont déjà exposées partout. Ils s'en foutent, eux. Mais nous tous, a priori, on se sert d'Instagram bah, pour essayer de se faire connaître. Alors, on n'est pas obligé, hein, du tout. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, quand j'arrive sur un compte Instagram, je me fais une idée de la qualité du photographe et de ce qu'il essaie de faire sur les premières photos. Je ne vais pas passer là ce que je fais pendant... Je ne passe pas autant de temps. Hein. C'est fait en 12 secondes, je me suis fait... Là, tout ce que je vous ai dit, en 12 secondes, je sais à peu près où je suis. Hein. Surtout maintenant, enfin, je ne sais pas combien de photographes dans l'étincelle. Je crois qu'on doit être à 180 depuis 3 ans. Ça fait du monde, hein. Donc, voilà... Les voyages photos, et les... donc je commence à avoir l'habitude hein, des lectures de portfolio. Je dois m'y mettre, Dario. Bah, pas de problème, hein. Pas du tout 10 000, ouais, bah, je suis pas surpris. Nous répond Dario. Simply the best, c'est exactement ça. Uniquement ton meilleur travail. La difficulté, c'est de savoir le reconnaître. C'est pour ça que j'ai fait le programme L'Étincelle. Pour vous aider, vous apprendre comment mieux juger de votre travail. Mais pas uniquement en regardant vos vieilles photos. Je vous donne des exercices, vous posez des problèmes, vous avez une analyse de vos photos, et on en parle toutes les semaines en direct de cette manière. Et c'est quand même pas mal, ça dure 3 mois. Et c'est 30% moins cher que l'année dernière. Donc il y a 2 ans. Peut-être pas 30%. 10%, 15%. Enfin, c'est moins cher. Donc, jusqu'à ce que ça augmente. Parce qu'il y a un jour, ça va augmenter si c'est... Bref, tout ça pour vous dire, viens faire l'étincelle. Venez faire l'étincelle, en tout cas, si vous avez envie de qu'on bosse ensemble et qu'on trouve des méthodes pour... mais là, la méthode Dario, si jamais tu viens pas faire l'étincelle, c'est tu te mets un gros volume de boulot et il faut que tu analyses des photos qui sont top niveau ou à minima, ouvre des grands magazines. National Geographic, New York Times Magazine... Le Monde M en France, ou je sais pas qui, enfin voilà, de la grande presse internationale, magazine, avec des grands photographes. Et tu verras qu'il n'y a pas une photo en dessous de l'autre. C'est tout du top niveau. Et donc tu calibres ton analyse de tes photos avec ça en tête.
Après, tu peux aller sur les plus grands photographes. Hein, mais... Alexa, on arrête. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai dû dire. Hein. Et j'ai mon robot qui m'écoute, qui a commencé à me parler. Et je vais vous montrer. J'ai installé un truc qui est assez marrant. Ouais, c'est la fin de la petite fabrique de photographie. J'ai acheté tes cours, Dario. Bah, c'est un bon début. Bah, vas-y, commence par ça et puis j'en parle hein, de la pensée visuelle, la méthode que je vous propose pour analyser vos photos. Je vous ai un peu parlé de la nature d'une photographie. Si tu parles de la formation que tu as prise, qui est la pensée visuelle, qui est plutôt destinée au début, enfin, je pense qu'elle est idéale pour toi, qui est plutôt destinée à l'initiation à la photographie, on va dire. Tu as une heure, je crois, sur la nature d'une photographie. Donc, je vous parle du plan représentatif, du plan mental. Donc là, ça doit être très très utile pour toi. On t'entend plus ? Pourquoi ? Ah, ben, je sais pas pourquoi. Au revoir, les amis. Vous m'entendez maintenant ? C'est bon ? J'espère. On parle d'IA et est à l'écoute. Je vais pas dire son nom, elle va se réveiller encore. C'était la petite fabrique de photographie numéro 19. J'ai annoncé le 18 par email. C'est bien le 19. Déjà, la semaine prochaine, le 20. Et Dario Fulci, t'as tout pris. Merci de ta confiance, vraiment, Dario. Et là, t'as beaucoup de matière. Vas-y petit à petit, mais une vidéo par semaine ou deux vidéos par semaine, et ça va y aller. Tu vas y arriver. Là, t'as vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Un grand merci à vous tous. Salut Jérôme sur Facebook. Salut Christian, salut Dario, salut Nicolas. Salut à tous sur YouTube. Merci de votre fidélité. C'était un très très long épisode. Et regardez, je vais lui parler à ma copine. Regardez. Alexa, le direct est terminé.